Allô? Comment vas-tu? On y est, tout va bien et j'attendais comme un débile. Je pense qu'on attendait tous les deux comme d'un débile que l'autre appelle, si tu veux. C'est toi qui raccroche. Non mais voilà, c'est ça, ridicule. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Voilà, bonsoir à tous. Je dis des bisous à tous ceux qui sont chez Krysthal et Krysthal fait des bisous à tous ceux qui sont chez moi. Voilà, parfaitement. Il est temps de lancer le squat stream. Pourquoi? Parce qu'on croit aux stats. In stat we trust, c'est ça? Bah non, mais in stat we trust, ouais, absolument. Habitation. Alors attends, hop, voilà. Je ne sais pas en vrai, j'en sais rien. Je fais avec ce que j'ai invité, j'ai envoyé une invitation. Bonne chance. C'est bon. Lancez le quad stream. Comme ça, au moins, le public est dans un confort présupposé. C'est l'inflation du streaming, braves gens. La fin de l'abondance. Voilà, c'est ça. Les streams avec des bons chiffres, c'est finito. Twitter, c'est finito. Amazon, c'est finito. Tout est finito, braves gens. Allez, let's go. Alors, j'ai ouvert la partie. Donc, tu peux rejoindre comme d'habitude. Rejoindre. Multijoueur, rejoindre la partie. Et il va falloir que j'aille changer de pantalon. Ah. Non, c'est juste que en fait, je les porte. Putain, attends, c'était quoi ça? Le mot de passe. Au pif. Toujours le même que d'habitude. Au pif. Ouais, ça passe, nickel. Oh, oh là là. Oh excellent. Oh c'est juste qu'en fait, non, parce qu'en fait, j'ai porté le même jean toute la journée. Et là, comme il fait un peu chaud dans mon bureau, j'ai transpiré le temps. Et c'est pas confortable. J'ai envie de mettre un bas de pyjama. Ah mais mets-toi à l'aise, hein. Tu sais le nombre de fois où je suis en bas de jogging, en petit short et tout, tu vois, histoire d'être bien. Oui mais t'es une femme, t'es une femme. En tant que femme, tu as quand même des disponibilités et des variations de style vestimentaire qui sont beaucoup plus élevées que moi-même je puis me permettre. C'est les limites que tu t'imposes hein, en même temps. En plus, tu joues pas avec la caméra, donc dans la oui, et de plus, j'ai envie d'ajouter, oui, mais il y a quand même une limitation avec ce que tu pourrais porter d'à peu près correct et qui fonctionne, du moins avec ma tête et avec tout le reste. Je porte des vestes rouges, mais ça c'est parce que je suis un clown, tout va bien. Mais dans l'absolu, voilà, c'est pour ça que c'est un truc, ça c'est un truc que j'ai toujours envié. J'ai toujours envié ça chez les hommes noirs. Entre guillemets, tu sais, tu prends un beau black comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, comme ils ont la peau vachement noire, ils peuvent porter des couleurs absolument flamboyantes et non seulement ça choque pas, mais tu sais, il n'y a pas le. Comment dire? Il n'y a pas le voilà. Étrangement, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Il n'y a pas cette espèce de contre-argument de couleur ou de logisme. C'est pour ça. Ouais. Donc c'est fun fact. Voilà, ils peuvent porter du doré, des costards, des trucs comme ça. Et ils peuvent même les porter, mais genre ils peuvent porter un petit saumon, tu vois. Genre un saumon, ça passe. Alors que t'es un homme blanc, blond, yeux bleus, tu portes un costume saumon, t'es dégueulasse. Tu vois. Quoi que tu fasses, ce sera dégueulasse. Tu peux rien faire en fait. Donc c'est pour ça, moi ça me fait marrer, c'est pour ça. Et même regarde, même par rapport à nos personnages qu'on a construits, on a des personnages fictifs, dans un univers fictif, on peut jouer des races étranges, machin. On a quand même deux humains, si je m'abuse, une elfe et un alphelin. Et pourtant, même eux ont des couleurs de cheveux qui sont tout à fait raisonnables et raisonnées, tu vois, il n'y a pas cette, logique. C'est pas qu'ils ont l'art de la sape pyrolène, c'est que leur complexion physique, la couleur de leur peau, permet des combinaisons de couleurs beaucoup plus efficaces parce que le noir se marie beaucoup mieux que le pâle rose, blanc, beige, bizarre et variable que nous on a, tu vois, entre guillemets. Alors que du noir, voilà, mais un noir dans un costume violet, tu vois, voilà, c'est ouh, voilà. Point, 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 voilà, c'est let's go, tu vois. Let's go. Alors les gens sont là, le saumon ça se mange, ça se porte pas, du génie. Je vais, j'ai mis prêt, je vais mettre un pantalon, je regarde. Vas-y, change-toi tranquille. Un autre, hein, j'entends. Oui, bien sûr. Mais commencez pas à vous imaginer de trucs, hein. Du coup, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va se faire une petite soirée tranquillement, on va continuer à avancer dans l'histoire, hein. Il nous reste encore un petit peu du scénario principal, il nous reste encore des quêtes annexes. J'ai eu aussi un petit message, comme j'expliquais, le 14 novembre prochain. Du coup, l'équipe de TC Adventures m'a envoyé un petit message pour me dire qu'ils allaient sortir leur prochain DLC, qui s'appellera Dragonborn. Voilà, il y aura du coup 3 nouvelles classes jouables, le barde, le moine et le warlock. Donc ça va être sympa. Donc pas d'évolution au niveau maintenant purement du scénario, mais vraiment au niveau des personnages qui seront proposés. Donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent, de faire une run peut-être avec autre chose, bah, comme ça vous savez. De mon côté, comme je disais, j'ai encore 2 clés, donc je vais voir pour peut-être les faire gagner tout à l'heure. Il va mettre un pantalon, comment je fais pour pas le bas de pyjama enfilé. Et bah voilà. Plaisir total. Ouais. Allons-y, tu peux lancer quand tu veux. Et il faut juste que tu mettes prêt. Mais j'ai mis prêt. Ah, chez moi, il y a... Hop là. Tiens. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, ok. J'ai rien dit. Le chat peut témoigner que j'avais mis prêt. On n'entend pas bien Krysthal. C'est parce que la musique du titre est très forte. Mais en même temps, pour l'équilibrage des sons ou quoi que ce soit, parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas quand les voix sont beaucoup plus élevées que les sons. Genre, ouais. Tu sais, t'entends un petit peu la musique, les bruits et ça. Ok, alors aujourd'hui, on va jouer à main. Tu vois, moi, ça me... Je supporte pas ça, tu vois. Voilà, moi, il faut que ce soit immersif. Donc là, normalement, on a des voix à peu près au même niveau. Puis hop, je peux juste augmenter, voilà. On va mettre le son du jeu un petit peu plus fort aussi, histoire de profiter de l'ambiance. On entend parfaitement Krysthal et on entend aussi le son du jeu, les ambiances, les voix. Et qu'est-ce que c'est que c'est... Ah oui, oui c'est vrai. On était rentré sauver, tu sais, un orc, le chaman. Ouais. On avait sauvé le chaman orc avec Kebra, qui était la chaman orc fort. Et on les contrôlait, j'avais même accès à Brock, donc un autre chaman. Ouais. Ils sont pratiques, ils peuvent soigner un peu. Qu'est-ce qu'ils ont comme sort, fais voir, Fourir. Ouais, c'est des prêtres, hein. Ils ont des sorts distance, quoi. Donc ouais, là, il fallait... On avait nettoyé toute la zone et on s'était positionné là, justement, pour pouvoir justement, continuer. Ouais, il est pas dégueulasse, hein. Je suis en train de regarder Brock là en termes de sortilège, il est pas dégueulasse, hein. Il a jusqu'à des sorts level 3, et esprit gardien, lumière du jour, réanimation, hâte, mot de guérison de groupe, prière de guérison, restauration partielle, aide, vision dans le noir, mais il est pas dégueulasse du tout ce sorcier. Pour un orc, il se démerde. Du coup allons-y, donc là on va simplement... pénétrer plus profondément sur la suite. Dans le volcan, puisqu'on se souvient qu'un chaman orc qui a pris l'opportunité de devenir le chef des orcs est tombé sur un objet de feu lui donnant une capacité d'évocation surpuissante. C'est ça. Et évidemment, on en a besoin. Évidemment, nous en bon vieux colon... en bon vieux colon de la terre du milieu, nous on arrive en mode... Yo shit. Give it to us. Alors, je sais pas ce qui nous attend. Je me suis mis en prudence pour le moment. Excellent. Tu me laisses passer devant? Bien sûr. Allons-y, on va voir un petit peu. Honneur aux femmes. La texture de la lave est ultra bien rendue, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est un... Tu regardes un peu. C'est un cache-misère, mais il est très bien fait. Ouais, c'est un excellent cache-misère. Et en vrai, c'est juste un tapis déroulant. Tu remarques qu'il y a une seule texture qui est sur un tapis déroulant, comme un escalator ou autre, et qu'elle se fait tirer et étirer. Mais la manière dont c'était tiré est excellente, je suis d'accord. Par contre, encore une fois, des objets volent en lévitation magique, et ça me rend fou. Autant, tu vois, dans la comment ça s'appelle ? Dans la bibliothèque arcanique. Ok, une bibliothèque archaïque. Mais là, on est au cœur d'un volcan. Alors certes, c'est l'ancienne civilisation, machin et tout, mais... Il y a un personnage sur la gauche et il y a visiblement une porte sur la droite, mais on va déjà commencer à avancer là-dessus. Il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas en stream squad. Mais si, on est en stream squad. Oh là là, alors là, F5. Voilà. On est 100% en stream squad. Bob, t'as laissé les emojis qui se battent? Ah oui, c'est vrai. T'as des émojis qui se battent. Oui, c'est un petit programme à la con que tu peux mettre sur ton stream et tous les mecs. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est très bien. Et il est hostile ou pas, lui? J'ai pas l'impression. Il a pas l'air d'avoir de nom ni rien. Attends, j'enlève la prudence. Non, interagissez avec ce personnage. Ah, regarde, il y a une... Ouais. Ouais. Effectivement. What's the flag? Bloodspear, warriors. Aren't all orcs warriors? Bloodspear chief Edroth, a champion. So, what's the plan? Edroth respect only strength. He supported Arok the Powerful. You defeat him in arena. I turn Bloodspear against Arok. You mean, take control of his tribe? Who else? Even without Edroth, Bloodspear never followed Nyarx. Nyarx. That's us, just so you know. Probably means piece of... It means non-orcs, that's all. You speak Orcish? Enough to know non-orc from piece of... Really? Oh, please, what's the word? I must know. Stop it. Just stop. Et merde, on saura pas comment on dit. Je suis déçue. Surtout que Archibald a la maîtrise de la langue, normalement, il parle orc. Donc il devrait savoir, il devrait savoir. Ok, alors attends, avant d'y aller bêtement, regardons nos stats. Si c'est une épreuve de force, on ne peut pas mettre de côté l'idée que ce soit littéralement un jet de force à faire. Ouais. Donc qu'on en y envoie Elvira, Poutrelle ou Krysthal, 20 de force pour Krysthal et 21 de force pour Elvira grâce à sa ceinture des géants. Elles ont un bonus de plus 5 quoi qu'il advienne. Meanwhile, Archibald 12. Pour sa carrure, malheureusement, sa force ne reste que très humaine. Et John Demi-Pain 10. Un enfant à vos yeux. Pour sa carrure, sa force ne reste que très humaine. Donc malheureusement, il va falloir laisser faire les gonzesses pour ce coup. Vas-y. Y a pas de problème. Brock, alive? Why, Nyarx? Nyarx serve Brock. What was that? SoundCloud have no orcs, just Nyarx slaves. Shame. My Nyarx can beat Edroth in arena. Ah, I kill all your Nyarx. Arena challenge. Edroth can't say no. Who is Nyark champion? Ouais, Krysthal, hein. Enfin, ça me paraît... John, je vais écraser cet orc. Il va faire roulade, roulade, roulade. I kill you, Nyark slave. Ça pourrait être fou, hein, mais bon. Mais en vrai, c'est... une côte, là, non? En vrai, c'est ça. En vrai, c'est trop dangereux. Ouais, mais il en a encore 149 autres, comme ça, c'est nickel. Qui est cet humain nu? Ah, mais c'est toi. Moi. Ah oui, toute ton armure est posée. Alors attends. Pourquoi tu peux parler à la porte, tu peux parler à ton armure, tu peux parler aux armes et tu peux parler à Edroth. Je pense que ton armure est limitée. Je pense que t'es obligé de t'équiper de ce qu'il y a sur ce bordel. Armure du pauvre intermédiaire. Ça a l'air bien, mais en fait c'est de la merde. Ah ouais, ouais. Et donc c'est à ça que ressemble Krysthal Ombre Lune. Très bien. Ouais. Who the fuck? Qui l'eût cru? Elle peut porter des vêtements normaux. Moi je l'ai vu pisser dans son armure donc... Bah écoute, oui, hein, faut ce qu'il faut, hein, j'ai envie de te dire. Alors, une petite hache à deux mains. Attends, qu'est-ce qu'on a? Cimetière, non. On va prendre une hache à deux mains. Let's go. On reconnaîtra la gentillesse de la part de Edroth de fournir le matériel. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Mais ton armure, t'as tout mis là? Ouais, ouais, j'ai tout mis, j'ai rien de plus. D'accord. Attends, non, non, l'armure n'est pas équipée. Attends. Voilà, merci, c'est bien ce que je pensais. Ouais, je me disais, j'ai pas de, rien, aucun attirement. Oh, regarde-toi, voilà. Une vraie chef de WAG. Allez, montre-lui la WA un peu. Tu aimes le queer? C'est parti. Grosse initiative. WAG. Alors. C'est dommage que je puisse pas t'aider du bord de l'arène en te buffant avec des sorts ou des trucs un peu craqués. Oh ouais, moi j'y vais en frontal, hein. Je sais très bien. Bouc, la moitié de sa vie. Oh les gifles! Oh le critique! Est-ce qu'il ira du tout? Il faut bien qu'il touche, il faut bien qu'il touche. T'as une armure de merde, d'habitude tu prends les coups dedans, tu vois. Alors il aurait fallu l'épargner, mais... Fair enough. Bloodspear, your witness. Suncloud, not dead. Suncloud, Nyarx slaves defeat Edroth. Slaves? Really? Do we have to go along with that? It's that or fight them all. Let's do that then. Brock, chief of Bloodspear now. Will anyone challenge the Nyarx for tribe staff? Good. What now? I stay. Kebra, show you way. Ouais, pose la question. So, do we do the same thing with all the other tribes? Other tribes different. Not one challenge. Kebra, explain. Fine. Let's go. C'est bon, t'as repris ton verdier? C'est une prompte bataille. Ouais. Et tant pis, on n'aura pas pu profiter de Brock très longtemps. Oh well. Ah, écoute. Alors, nous avons Rogrok, un marchand orc, ainsi qu'un feu de camp. Waag. Ah. Des berserkers orcs, un maître des bêtes orcs. Et dire qu'on aurait pu tuer et affronter tout le monde. C'est fou, on serait rentré dans ce volcan Guns Blazing. On serait en train de mener la plus grosse waag qu'on aurait jamais vue. Bon, j'imagine qu'on doit reconnaître qu'ils ont une culture. Excellent, qu'ont-ils? De la bouffe, c'est intéressant. À quel point on en a besoin? Je sais pas si on en a encore besoin. C'est vrai qu'elle a ton sortilège de création. Oui, maintenant on a le sortilège de création. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais peut-être vendre des javelins. Tu les achètes les javelins? 3 pièces d'or? Oui, bah, très bien. Parce qu'on s'en sert pas, donc... Je vais vendre les trucs à la con là qu'on a récupéré là pour le combat. Tu sais, c'est des objets pourris quoi, mais bon. Recette totale insuffisante. Ah d'accord, donc en fait... Il achète même pas ses propres merdes. Mais il a pas d'argent, j'ai l'impression, ouais. Ah oui, il a pas d'argent, c'est vrai. Il est pauvre. Ah là là, c'est quoi ces pauvres là? C'est quoi ces marchands pauvres? Il est en mode full troc, respecte-le. Ouais, ouais, mais bon, il a des dagues et une lance, quoi. Non, mais il a 3 javelins à manger, quoique manger de la nourriture orque, ça me paraît... j'ai un pied. ça paraît hasardeux. Mais bon, oh, j'ai passé toute la nuit à 4 pattes en train de vomir. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai acheté des trucs à Rogrok, quoi, comme d'habitude. Oh mon dieu. Ah bah là tu prends la chiasse de tous les enfers si tu veux. C'est pour ça. Bon, tant pis. Tentons de nous reposer éventuellement au feu de camp afin de bénéficier si on doit refaire nos spells ou quoi que ce soit. J'ignore si c'est réellement utile mais dans le doute. 22 h, oh, on se met bien hein. Ah oui hein. Bon gros dodo là. Archibald a eu le temps de se taper une orcaisse. Hein. Et de se faire farmasser par 2 orques. Bien sûr. Très important pour ouvrir ses chakras, tu vois. Seulement les plus musclés. Exactement. Magique, rayon ardent, évitation, mobiliser les personnes, fracassement, counterspell, boule de feu, éclair. Éclair a eu son utilité quand même, hein. Je vais pas l'enlever. Bannir, ok. Flétrir. Ah oui, ça se fait vachement mal. Invisibilité supérieure, ça c'est fou. Tempête de grêle, oui. Mur de feu, oui. Mur de feu, c'est toujours utile, c'est toujours la bonne solution, voilà. Nuage toxique, apparemment, c'est complètement obscène, ça, quand il arrive. Domination de personnes, donc ça, quand ça passe. Un jet de sauvegarde, sagesse. Les orques n'ont pas beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Et côte de froid, c'est les dégâts maximales vendus. Allez, gardons ce qu'il nous faut pour un endroit où, visiblement, on risque de se prendre pas mal d'attaques de feu. J'ai qu'un seul sort de level 5. Avec domination mentale, nuage de prout toxique ou cône de glace absolue, tu vois, 0 absolu. Mais c'est l'ultra. C'est l'ultra. Ouais. Alors, attends, je regarde qu'est-ce qui reste ici. Il faudrait qu'on aille par où, du coup, maintenant? C'est vrai que Krysthal a prouvé sa domination, donc vous êtes confortable, du coup, j'avoue. Alors, il faut qu'on retourne, j'imagine, dans la salle à côté, peut-être. Attends, est-ce qu'il y a un chemin par ici? Je suis en train d'essayer de regarder. Tu vois quelque chose, toi? Non, hein, je pense pas. J'ai pas l'impression qu'il va falloir qu'on sorte. Je pense qu'il va falloir qu'on se tourne vers l'extérieur et qu'on essaye de voir peut-être. Là, attends, ça parle à l'entrée. Berserker Orc, interagissez avec ce personnage. Ah, carrément. Brock, chef fort, il a battu Edroth. Ok. Ah, super, t'as trouvé un des trucs sur le côté, parfait. Ouais, apparemment. Quand même, les orques, ils aiment vivre dangereusement. Hein. Ah, qu'est-ce qu'un petit pont en bois par-dessus une rivière de lave, franchement. Ouais, hein. Deux planches, ouais. Juste à côté de la coulée. T'as jamais rêvé de ça? Ah bah, j'ai toujours rêvé de prendre des grandes inspirations de soufre. le monoxyde de carbone. Bah écoute, j'ai envie de te dire que au moins, au moins je veux dire, tu vois, ça crame potentiellement tous les microbes que tu peux avoir dans les poumons. Moi la question que j'ai envie de leur poser, c'est où est-ce qu'ils trouvent de la flotte ici? Parce que tu la vois où l'humidité dans l'air? Ok, discrétieux, nous ne savons jamais. Parce qu'après tout ça, ça ressemble à des arènes potentielles. Ça pue la merde, ouais. Oh oui! Regarde, il y a des petits cailloux, des petites torches et tout ça. Je vais passer devant. Vas-y. Toujours pas habitué au fait de voir Krysthal, tu vois. Alors. Ah, il y a quelque chose là. T'as repéré tout de suite. Il y a une araignée, il y a une bestiole. Il y a un pèlerin. C'est un. Ça a l'air d'être un scarabée. Bon, on a évité le truc, on peut essayer de. Ouais. Mais il y a moyen d'avoir l'initiative. Tu le vois là-bas? T'as plus d'allonge que moi sur les distances. Oh, il y a un gros truc! Il y a un gros truc qui est sorti, tu l'as vu? À côté du pèlerin, il y avait un truc beaucoup plus gros, ouais. Faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut éventuellement approcher. Je l'ai presque. C'est dès que je le revois, de toute façon. Vas-y, prends ton temps. Je te tiens! Allez, c'est gratuit! Ok, zélote. Très bien. On est sur... Ça rate. Dommage. Ils sont... Ok, semi-obscurité. Ça rate. Rue se cacher. Voilà. C'est pas grave, on va les poules ici, de toute façon. Ils sont surpris. Ok. Alors. Elle peut peut-être remonter, elle. Quoique si t'as un sort de hâte. Ouais, tant pis. Je vais la mettre là. Ouais, mais j'ai encore. T'inquiète, j'ai encore de quoi faire quelque chose. On va regarder. C'est la portée, en fait. Ah, ouais. Si tu veux mettre un sort de hâte sur Krysthal, ce serait absurde. Je regarde, attends. Voir l'invisible, peau d'écorce, aide, apaiser les émotions. Ah, mais elle a des flèches acides aussi. Ah non, ça marchera sûrement pas sur les insectes. Ouais, la morsure des petites créatures sont acides. Donc ils sont sans doute résistants et ils peuvent faire des phéromones qui déclenchent une frénésie parmi ses rangs. Zélote, grande monstérosité. Un très gros insecte appartenant à la famille des rédempteurs qui a la capacité d'infliger des chocs électriques. Excellent. Ouais, j'ai effectivement un sort de hâte, mais effectivement, je suis trop loin du coup. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je balance un petit truc. Octroie des points de mouvement. Bah, mais le sort de hâte. Je peux mettre sur Archibald. Hein. Ouais, mais je sais pas si. Je crois que je peux pas balancer deux Hadoken avec le sort de hâte. Donc, si t'arrives à mettre ça sur Elvira, Krysthal ou John en te rapprochant à nouveau, en redescendant. Attends. Alors, non, j'ai plus de mouvement. Donc, et au niveau du sort, je vais regarder ce que je peux faire. Portée 6. Ah, si, je peux le mettre sur Krysthal. Excellent. Allons-y. Voilà, et maintenant, il faut que Kebra reste loin. Parce que si jamais elle stun, Krysthal perd un tour. Archibald. Sorciers émérites. Tout le monde est malheureusement beaucoup trop loin. Réfléchissons. Est-ce que tu peux le faire voler éventuellement ou tu vois? Ouh non. Mais j'ai une idée encore plus délicieuse. Vas-y. Fais-moi rêver. Proche. Ah, il faut que je sois plus proche, donc il va falloir que je redescende. Excuse-moi. Alors, qui pourrait bénéficier de ça? Qui pourrait être notre guerrier ultime de l'univers? Invisibilité supérieure. Tu es maintenant l'incarnation de la vitesse et de la mort. Excellent. J'ai hâte. Littéralement. Voilà. Plus qu'à attendre poliment. My turn. Alors, hâte te permet d'attaquer soit une fois de plus, soit de faire un gros déplacement en plus. Alors, on va commencer déjà. Un petit buff, hein. Voilà. Dommage. Oh là 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 là, la saloperie. Parfait, châtiment 3. Oh bah en feu, tiens, mange. Troisième attaque. Il doit avoir une 100 dizaines de PV à peu près. Ou pas mal. Ouais, ouais, mais il a pris tarif là. Il a pris très cher, j'avoue. Elvira. Ok, alors. Elvira. Charge. Ouais, je reste juste bien planqué derrière le gros rocher histoire d'éviter les carabistouilles. Je vais simplement la. Ouais, je vais la positionner ici et je vais voir éventuellement si elle a pas un petit truc avec lequel je pourrais peut-être. Ah bah tu sais quoi, on va en profiter du fait d'être bloqué pour sortir les gardiens. Oui. Ils sont où mes gardiens? Ils sont là. Est-ce que, très sincèrement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Mmh. Ouais, okay, à la grande honnêteté, je pense que tu peux y aller et bourrer. Je doute que. Ok. Bah alors attends, on va tenter un petit éclair. Celui-là, il est pas à proximité. Celui-là. C'est le gros rocher qui te bloque. Je vais voir. Ouais, je vais voir si je peux. Ouais, là, je me suis mal positionnée. C'est pas très grave. Attends, est-ce que j'ai un buff, quelque chose que je peux mettre? Oh, attends. Ça, je peux faire. Alors, ce haut avait un petit trémolo de la violence. Oui, j'ai vu. Je me suis rappelé que j'avais un truc qui s'appelle colonne de feu. Malheureusement, malheureusement, je suis pas en position pour le faire. Ah, mais je. Ne t'inquiète pas. Mais ça fait toujours envie, bien sûr, bien sûr. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Est-ce que j'ai rien que je peux. Ah, tiens, ils ont changé un petit truc au niveau de ceci. Est-ce qu'il n'y a pas de buff que je puisse mettre? Ok, écoute. On va sortir notre petite arme spirituelle. C'est toujours, toujours bon. Ça. Voilà. Ok, arme spirituelle. On va aller voir si on arrive à lui faire un petit bouc sur l'arrière du crâne. Comme ça. Est-ce que j'arrive à taper avec? Non, je peux pas. Ok. Tant pis, tant pis. C'est toujours surpris, on a toujours grandement l'avantage de faire. Ouais. Ça va être à John. Je pense que je vais te voler ta cible. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Oui. C'est offert. Oh, oh là 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 là. Merveilleux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... Ah, il s'est enfoui. Ah, et il t'a renversé du fait. Bon, malheureusement, avec tous les avantages... heureusement, avec tous les avantages d'invisibilité que tu as, ces attaques sont ridicules. Tu peux passer son tour, honnêtement. Ouais. Là, on attend juste que Krysthal se réveille et il va se passer des il va se passer des bricoles, tu vois. Vas-y, je te laisse te mettre en position. Oui, je vais attendrir, je vais les attendrir. Alors, avec quoi je peux les attendrir? Petit projectile magique, c'est pas grand chose, mais c'est gratuit. Ou quoi que, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est vraiment pour le plaisir. Eh, hey, tu vois ton marteau? Ouais. Oh, tu l'as fait se déplacer tout seul. Il a pris peur. Oh my god, c'est trop marrant. I am unbeatable. Boom. Tu peux encore attaquer, il me semble. Ouais, j'en ai encore une paquette. Ouais, la hâte, quand c'est sécurisé, it's a hell of a drug, hein. Ah ouais, c'est fat. Alors... on va approcher Elvira. Vas-y, dis-moi, ma cocotte, que t'as un petit éclair ou quelque chose que je peux lui balancer la gueule. Ça, c'est bien, ça. Allez, touche. Ça touche. Et Marty le marteau. Regarde-moi ça, est-ce que c'était pas beau? Est-ce que c'était pas un enchaînement de toute beauté? Un petit Jean Massier, là, c'était magnifique. Impeccable. Bon, et eh ben, j'ai envie de dire que ce combat a été, somme toute, extrêmement rondement mené. J'ouvre ce sac à dos. Vas-y. Y a-t-il dedans? Une bague, anneau des porteurs de lumière. On en a littéralement déjà un. Ouais, je pense. Ouais. Ça permet de lancer Aube. Enfin, ça permet de lancer le truc qui fait briller les ennemis. Mmh. Donc c'est littéralement un doublon, mais voilà. C'était censé être un combat... c'était censé être un combat. Ouais, c'était censé, quoi. Écoute, on va voir ce que ça donne, alors attends. Après, on reconnaît que invisibilité majeure et hâte sur Krysthal, c'est assez énervé, quand même. Ouais, ouais, j'avoue. Attends, je remets juste tous mes personnages. C'était genre combien de temps? Une minute, je crois. Ouais, 1 minute, donc ça devrait des pop. Voilà. Quand t'as hâte, c'est pareil, tu feras attention, elle va se... voilà, ouais. Là, j'ai la léthargie, ouais. C'est bon, tout a des pop, donc... voilà. C'est bon. Il y a plein de cailloux à gauche et à droite. Je vois un truc à ouvrir aussi sur le côté. Il y a l'air d'y avoir une espèce de tombeau là-bas. Sur la gauche, sur la droite aussi. Est-ce que tu veux activer les bottes d'Elvira? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que t'en dis? Active les bottes d'Elvira, ça coûte rien, ouais. Mmh. Et puis avec ces buffs récents, c'est pas comme si c'était pas une force formidable au combat maintenant. Donc... hop, alors, on va ramener Elvira. Les bottes de Indestructiboy, tu sais. Les bottes de Monsieur Indestructible. Astro Boy. Oui. Astro Boy. Je vais pousser les différents trucs histoire de nous ouvrir déjà le chemin. Avec elle, autant que possible. Récupérer ce qu'il y a à récupérer. Alors, on a un pendentif de jade. De la thune, quoi. Parchemin d'onde de choc. Tiens. Parfait, prends tout. Ouais. Et puis, sinon, les petites flèches. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je peux la faire voler jusque-là? Je pense que oui. Ah, mais toi, t'as déjà envoyé John sur l'autre machin. Je regarde, je me dis, tiens, pourquoi il y a un bonhomme là-bas? Ah, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir. Ah, ça y est, c'est bon. Une pierre de live primordiale. Ça a l'air bien, ça. Ok, je suis en train de nous ouvrir le chemin vers le tombeau, mais je ne vais pas aller l'ouvrir tant que je ne peux pas. Oui, ça me paraît. Hein, et par contre, je vais juste simplement en fait paver les chemins en poussant les pierres, tu sais, pour qu'on ait déjà bien sûr. Accès. Et prends les cailloux au passage, il y en a 2. Ouais, ouais. Pareil, pierre de lave aussi ici. Ok, ça c'est bon, ça on va pousser. Qu'est-ce qui reste encore? Voilà, ça c'est bon. Et il reste... j'entends un bruit là? Oui, tout au nord de la pièce. Oui, derrière la porte, mais ne faisons pas attention pour l'instant. Ok, il reste un caillou là-bas. Et encore une pierre ici au-dessus. Visiblement. Pareil, encore une pierre de lave. Ce sera pour faire des crafts à mon avis. Je vais pousser ça là. Et je vais ramener ensuite Elvira auprès du groupe parce que là du coup on aura normalement activé et récupéré tout ce qu'il faut. Ouais. On a tout fait, il faut juste qu'on choisisse gauche, droite ou haut. Je te laisse choisir, vas-y je t'en prie. Ramène tout le monde. Qu'est-ce qui t'inspire? Oui je ramène. Sur la gauche, on entend des bruits, en face il y a des grosses taches de sang sur le mur. Ouais. Et à droite il y a le fameux tombeau, la fameuse pierre tombale ainsi que les caisses. Je propose déjà qu'on aille voir la pierre tombale et les caisses. Ouais. Je pense aussi je vais laisser Archibald là, voilà. Comme ça si jamais il se passe un truc il peut boule de feu zionner dans le pif. Et alors il y a une caisse à récupérer. Ah, nos persos, il y a des torchères qui sont allumées. Nos persos sont Keblo, c'est normal. Voilà, ouais c'est le temps qui se débloque. Ok alors la caisse, commençons déjà par la caisse. Ouais. Je te laisse aller ouvrir ça. Parchemin de boule de feu, flèche d'art sombre x10 et flèche crochet de l'enfer. De l'acide et de l'acide. Donc, you know what? I'm okay with this. J'ai corrosif, excuse-moi, je vais récupérer. Un des 8 de dégâts, j'ai de sauvegarde pour annuler cet effet, j'ai de sauvegarde pour un demi. J'ai de sauvegarde pour un demi, 2, 4. Bah écoute, on va les mettre, on va l'attraper. Et quant à ça, ouvrons-le, voyons voir. Qu'y a-t-il, qu'y a-t-il? Rien du tout à part un bouclier somptueux. Ouais. Et une épée préparée. Et une dague préparée. Mais le bouclier somptueux. Pour Elvira. Exactement, elle qui se balade avec son bouclier d'Astérix de Vercingétorix depuis 1000 ans, tu vois. Ouais, voilà. Il fait plus 2 de CA, c'est pourtant le même classique. Ouais, mais il a une autre gueule. Hein. Tu sais bien que le skin augmente le skin. Donc ouais, c'est ça, c'est ça. Et je me pose la question en fait de savoir s'il a vraiment une différence ou un avantage ou quelconque. Tu lui as donné? Ah non, je pensais que tu les avais, tu ramassais en fait. Non, et que ça les distribuait. Pardon, je m'excuse. Non, rien du tout, j'en prie. Ok. Ben, je vais récupérer alors. Et la dague préparée, c'est gratuite, tu la fileras à Archibald plus tard, on a le temps. Voyons voir. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Plus 2 de CA, bouclier sans plus 2 de CA. Protection classique, bois, métal. Protection métal. C'est... Attends, admets, pour plus de détails. Il y a peut-être un détail à voir avec. Non, il vaut juste 2500 balles, là où le bouclier en vaut 10. Mais c'est exactement la même valeur. Mmh. Ce bouclier en métal est un ouvrage somptueux doté de runes mystiques à sa surface. Wait. Arcana Divo. Ramène Killer. En cours. Non, parce que... Wait. Attends, le temps qu'elle se ramène là. Voyons. Alors, j'ai une là bouclier plus 2. Wow. Ah. Et donc, bouclier plus 2, plus 4 de CA. Très rare. Voilà. Oh, il est... il est... C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Note à soi-même, ton armure d'écaille plus 1. Il faudra trouver quelque chose, même si c'est un peu elfique avec des noms à la Transformers, tu vois, c'est stylé. Ouais. On va peut-être trouver quelque chose qui fashionne un peu plus. Une petite armure d'or. Ou... On va voir si on trouve quelque chose d'un petit peu sympa. Et sur Krysthal, j'ai une arbalète somptueuse avec un point d'interrogation. Oh oui, bien vu. J'avais pas fait gaffe. Alors voyons voir. Hop. Sans doute une arbalète qui tire plus fort, mais... Arbalète plus 1, on est dans un classicisme. Voilà. Arbalète plus 1, qu'est-ce qu'elle a du coup, Chris? Enfin, Elvira, arbalète légère, mais c'est une arbalète comment ça? Arme simple. C'est une simple, donc ça devrait être une légère, je pense. Dégâts perforants, chargement à deux mains, métal, portée, munitions, magique. Elle a rien de contre-indiqué pour qu'elle puisse s'en servir. Portée, munitions, classique, métal. C'est exactement ça, c'est une arbalète légère. Je vais la mettre sur Elvira, c'est mieux que ce qu'elle a. Oh là là, pimp my... Pimp my priest, ouais. Pimp my elf, quoi. J'en profite pour regarder si j'ai pas des trucs qui brillassent. Anneau des porteurs de lumière, on n'a pas besoin de l'identifier puisqu'on en a déjà un. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a reconnu la marque. Tu sais, on a regardé le numéro de série à l'arrière. Non, c'est pas le même. C'est ça, on se dit, oh, non, ça va. On sait, ouais. Impeccable. Eh ben écoute, on est bon. Donc, excellent. Du coup... Est-ce qu'on ouvre la porte qui est juste à côté? Bah écoute, je fais une petite sauvegarde et on peut... Les risques inconsidérés et considérables. Berserker Orc. Ils sont... Ils ont pas l'air d'être hostiles. Hein. Non, ils sont pas hostiles. Nyarx vont voir Radulf. Radulf, grand chaman. Ok, très bien. Ah, ça va être pour toi, ça. C'est toi qui vas devoir lui latter le cul, je pense, cette fois-ci. Bon. This place is different. Half Manacala, half orc, all crazy. Another tribe we need to make friends with? Converting them seems unlikely, so Bladefang is tribe of faithful. They worship relics of times before. Meaning before the cataclysm? I don't think the Manacalans will be friendly with orcs. They weren't even friendly with their own mothers. Bladefang shaman built cult with relics. Treats old stones like holy. Just like the antiquarians. We should introduce them to Halman Summer. So what's the trick this time? The crown. It will impress. What do you know about our crown? Ancient power. Feel it. Very strong. You can feel its power? Orc shamans can detect magic like you. Of course. I know Bladefang shaman wants something found. Fine. Let's go. Vas-y Archibald, montre-lui ta grosse attends, juste avant, t'as pas un sortilège d'aide? Non, aide c'est pas ça. Un sortilège qui buff les... augmente les caractéristiques. Ouais, un cantrip. Kebra, elle a pas ça? Qui buff quoi tu veux? Charisme peut-être? Fais voir. Je regarde, attends si j'ai fait châssis. Ouais, charisme. Décors, vision dans le noir, voir l'invisible, repli expéditif, grande foulée. On avait regardé la dernière fois, mais ouais, tant pis. Pas l'impression. Attends, ah non, bénédiction, augmente les jets de sauvegarde et les jets d'attaque, c'est pas ça. Poignée électrique, rayon de givre, stabilisé. Et Elvira, je pense qu'on n'avait pas pris ce sort, mais je vais vérifier quand même. Bon, Archi de conscience, bouge pas. Compréhension des langues. Arcana, Divo. Bonne idée. Voilà. Juste pour... on sait jamais. Allons-y. Oh, un autre marchand orc. Et un point de repos, on a tout gagné, décidément. Est-ce qu'il vend, le monsieur? Il ne nous parle pas pour l'instant, très bien. Écoute. Stop, Kebra. Coming in peace with Nyarx of Ancients. Brock, you alive, but your tribe dead. Not dead yet. Powerful allies now. Not enough to stop Arok. With Bladefang, Brock may be strong enough. He's good, this shaman. Guy burns down a whole tribe and he sees the signs. Shut up. Arok has a stone of power. Nyarx have stones of power, more than Arok. Bladefang not follow Brock, yet Nyarx prove power thirst. Bring back the holy axe of the ancients. Can't ask that. Holy axe is in the lair of Kraushren. If Nyarx have power to defeat Arok, then Nyarx can kill Kraushren. Kraushren means old queen. Everything's about old stuff around here, isn't it? Also, beware of Gax. The what? That means skinless. Skinless? Wait, Sorax? They're here too? No surprise there. They're after the gems too, remember? Can they impersonate orcs? Why not? Anyway, I don't think we have much choice. We'll get your holy axe. Praise be. He sounds like Beric Sunblaze. Don't. It was a compliment. Est-ce que le labo pourrait arrêter de parler mal des orques, ouais? Constamment. So, who's this old queen? Monster. Strong. Hates light. What kind of monster? Do not know. Plenty go after holy axe. No one comes back to tell. Encouraging? About the so-called holy axe. What is it? Holy axe was of ancestor of orcs, legend says. Brought from the Endless Range. Orcs have ancestors? Orcs born out from great collapse, from its magic. Ancestors were great warriors from the Endless Range. What's the Endless Range? A name for the plains of Tiamar. Orcs were Tirmarian? No. We don't have time for historical debates. Oh là. We know enough. Let's find this old queen then. Good. Bon, on va juste même pas besoin de se reposer. On a claqué quoi, un sort? Bah ouais, mais j'ai claqué des sorts de niveau 4 et surtout avec Krysthal, j'ai claqué des châtiments. Eh ben, 23h, allons-y, allons-y. Je ne serais pas contre un petit dodo. Ah bah non, on peut pas utiliser le feu, regarde. Enfin, j'ai l'impression de pas pouvoir cliquer dessus. Ah ouais, moi non plus. Ah, je pense qu'on doit d'abord être amicaux avec. Tant pis. En même temps, ils ont raison, ils veulent pas qu'on se pose pendant 48 heures en mode pépouze. Attends, je récupère tout mon staff là. Je vais tester la porte de gauche. J'arrive. Voyons voir. Pareil, il y a une bannière orque. J'arrive, j'arrive. Des orques en vert, personne n'est hostile. Des sables de jet. Urka. Très bien. Et un autre feu inutilisable. Look at that. Another library. It looks very like the tower where we found the crown. But it's makeshift, not Manacala. Home of Sand Raven and Shaman Urka. What should we know about Sandraven? Urka loves old elf stuff. Ask you to bring back some, for sure. But his tribe can fight. Useful for facing Arok. Why is this place made of Manacalan remnants? Urka, very wise shaman. Reads books. Orcs can read? Amazing. Let's do this. I think they've seen us anyway. Kebra? I thought you were dead. Who are your Nyarx friends? Ebe? They help me and Brock. We gather all tribes against Arok. Oh, Arok. Okay. Yes. We need your tribe to support Brock's challenge against Arok. Hmm. First, bring me the key to the sunken city. What's that? Down in Cradle of Fire is a Manacalan city called Centarillion. It melted into the mountain since the Great Collapse. But Arok, he found it first. Found his stone of power there. Now, no one can enter unless you go through the necropolis, find the Emperor's key, bring it back to me, and my tribe will support Suncloud. Deal. Okay, wait. What is this key? It is said that the Emperor was buried with a magical key that opens the city. So find his tomb. And bring me the key. If Arok the Powerful didn't go there, it must be awfully dangerous. Not more than facing Arok without help. Why do you want that key if Arok is already inside the city? Arok only found a part of the city. The key will open many more rooms to me. All right. We'll bring you the key. Tu peux en venir une bonne grosse exploration là. ouais, mais eh ben, on est tombé sur un orc Shakespeare, hein. Déconne zéro. Ah oui. Très bien. Moi je suis content qu'on ait fait les deux portes, du coup maintenant on a pu parler à tout le monde et choper toutes les quêtes, sinon on aurait été bien visé. Bah ça aurait été pénible de devoir retourner en fait sur nos pas, surtout. Absolument. Ok. Ouais, je vois les L'ambiance de sang, l'entrée des ruines. Tac, tac, tac. On a tout pillé, on a tout pris. Excellent, on est prêt. Petit sauvegardage. Attends. Bon, quitter la zone. Je sauvegarde juste après si tu veux bien. Vendu, vendu. C'est juste pour éviter de se retaper tous les dialogues. Hein. Si jamais on tombe dans un trap. Dans le chat, Ourdo le sage savait écrire. Il ne s'entraînait pas souvent. Et bien sûr, il s'est fait pourrir. Il n'était pas très utile au clan. Ok. Ah! Webs. Ah. Oh, tu sais ce que ça veut dire, ça? That's what the old queen is. Another spider? We can deal with a spider. Even two. But a very, very big, deep spider. Come on, how big can it be? We should bring its head back to the council. Facek will love it. Certes, certes. Cependant, on n'y voit absolument rien ici. Hein. Je sais pas, mais. Quel enfer! Ok, donc il y a un chemin par ici, une porte là. Tu veux diriger vers où? Il y a un chemin là? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'y avoir un espèce de petit couloir. Non? Ou on est dans un cul-de-sac? Ok, c'est un mur. Très bien. C'est un cul-de-sac. On n'y voit juste rien. Ok. Ok, c'est bon. C'était juste moi qui suis. Très bien. Très bien, bah écoute, on va pas avoir le choix, alors avançons. Là sur la gauche une caisse. À droite. Une caisse à mon avis. Bras zéro. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de suivre d'abord la trace des bras zéro ou... et on revient après pour la caisse. Je vais voir si je peux pas la pécho. Ah, il y a un panier là-bas. Un peu plus loin. Non, va tranquille à la caisse. Sauf que je ne sais pas à quoi ça a servi de déplacer cette caisse. Peut-être un raccourci pour après, peut-être pour revenir. Ah, tu vois le panier? Bah va prendre le panier, va prendre le panier. Alors attends. Pas d'ennemis jusqu'ici. Ah bah, je pense qu'ici on est coincé aussi de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parchemin de sphère de feu, de l'argent, des rations, rien de spécialement transcendant. Et je pense qu'il n'y a plus rien de ce côté-ci, non? Ah non. Oh! Oh! Ah, la lave. La fameuse. La lave, on la voit. Alors il y a un beau cadavre au milieu du terrain. Il y a des poils partout, donc à mon avis, ça va nous faire la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire des bébêtes qui vont grimper. Ça sert à rien de se buffer au préalable. Ah oui, des bébêtes qui vont grimper, t'as raison. T'as raison. Dans ce cas-là, attends. On va se placer au bord. Dans ce cas-là... You know what? Fine. Je suis en train de réfléchir en fait à une stratégie qui me permettra de tirer préemptivement sur les saloperies. Faudra se mettre possiblement... You know what? Ah bah, il passe par le fond lui. Il passe sur les toiles, d'accord, let's go. Fait avancer Krysthal aussi. Et Elvira, en fait. Tout le monde avance sauf Archibald et Kebra. Voilà. Et je me tiens prêt à cliquer sur le premier fils de pute qui apparaît et qui tente une dinguerie. Encore. Ah, attends, bouge plus. Prépare-toi à balancer un sort avec Elvira de boule magique. Si tu vois quoi que ce soit, je vais avancer avec John. Ouais. Ok. Si tu vois un truc, tu ça bouge, tu... Ok. Pour l'instant, toujours rien. Tu continues à avancer? Tu veux que je fasse avancer encore Krysthal ou pas? Je continue à avancer, mais on va se relayer. Hein. Ça bouge, ça y est, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Stop. À toi. Ça monte, ça monte, ça monte. Ok, elles sont en train de se positionner. C'est des araignées de feu. C'est des araignées de feu. Il y en a effectivement sur les côtés et sur les plateformes. Donc il va falloir qu'on se positionne. Maintenant qu'elles sont visibles, il faudrait peut-être qu'on fasse avancer. Ouais. Faut avancer légèrement Kebra et... Non, pas besoin pour Kebra, mais je vais vérifier. Attention, ça te remarque. Ça te remarque. Voilà, j'attendais que ça te remarque et ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Détends-toi, tout va bien. Mais bon. Insensible au poison. Mais midlife. Oh, tu lui as refait les fesses. Ouais, elle sait toujours pas que je suis là. Ce qui, moi, ça m'arrange. Ruse, je pourrais pas attaquer encore, non? Bon, ça sert à rien. Non, bah non, bah laisse tomber. Ok, alors, notre petite Kebra. Elle peut s'avancer pour mettre un buff de hâte sur ouais, c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire, il faut juste que... Ah, juste idéalement, si t'arrives à te décaler sur la droite, à sauter, mettre un buff de hâte sur John. Parce que là, la distance va jouer, je pense. Ouais, on va faire ça. Mais à la seconde où j'ai vu ta barre se remplir en mode l'araignée qui était à couic-couic, t'as rien vu. T'as rien vu, tu sais pas ce qui se passe. Okay. Surpris, c'est ce qu'on veut voir. Black Tour, bah vas-y. Tu es une déesse, vole vers cette araignée de feu et... Ah bah... Attends, je vais déjà... Voilà. Oui, bah oui, bah, on va déjà faire ça et je vais la déplacer histoire de la mettre un petit peu plus... de manière un petit peu plus centrale pour pouvoir taper avec elle au besoin. Alors, on va avancer avec elle. Et on va en profiter déjà pour ce buff. Préparer une attaque au corps à corps et c'est à toi. Voilà. Alors... Ah, mais du coup, boule de feu marchera pas. Impossible de toucher celle-là. De toute façon, il n'y en a que deux ou trois. Où est la troisième? Cible hors de portée. Je ne sais pas où est la troisième. J'en vois une, écoute. Pas de raison. Elle doit être sur une des autres parois, quelque part. Oh là 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 là. Pas grand chose, c'est pas grand chose. Mais ça touche, et c'est bien. John. Qui prédateur. Ce que tu lui as mis. Coup critique. Oh là 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 là. Deuxième sauce. L'autre, elle est sur la toile au milieu. Ouais, l'autre, je pense pas que... Si, je peux l'atteindre, mais ouais. Ouais, non, mais sinon passe, hein, y a pas de problème. Ça fera peut-être bouger celle qui est pas encore en visu. Ouais. Je ne sais pas où elle est, je ne la vois... Ah, elle est là-bas, elle est dans le fond, c'est bon, elle arrive. Elle est tout au bout, ouais, d'accord, elle a des kilomètres. Ouais. Ok, je vais faire avancer un petit peu Kebra. Je vais la mettre juste à côté de John et je vais juste passer son tour. Oh, quoique, attends, c'est quoi? On va faire une préparation. Préparation, ouais, corps à corps. On en est où dans le jeu? Alors, Oh, ça va, on s'en sort. Je dirais qu'on est... Ouais, oh, non, je dirais qu'on est... On est peut-être un peu moins de la moitié? Aucune idée. Je dirais, ou un peu plus. On a combien de gemmes, là, sur 8? On en a 3-4, déjà? 3, il me semble. Hein. Mmh. Alors attends, avec Elvira, c'est quoi? On va faire simple. Voilà, un petit 43 grades. C'était gratuit, c'était sans vaseline, voilà. Ne faites pas ça chez vous, c'était exécuté par une professionnelle. le petit toucher nécrotique. Voilà. Belle proctologie en tout cas, on saura jamais ce qu'elles font ces saloperies. Ah bah écoute, voilà. Il y a celle qui est tout au fond, ouais, va falloir qu'on avance, hein. On va pas avoir trop le choix. Elles font mal, on me dit. ça, jusque là, on est d'accord. Je pourrais avancer jusque là, où elle est l'autre? Et là-bas. Ruse, foncez. Ça passe. Il bug, il faut attendre. Oh ouais, on t'entend. Ça c'est souvent avec les déplacements contre les murs et tout, il y a ce petit délai de latence. Quand il y a un grand saut à faire, hein, je sens qu'il calcule un peu quoi. Voilà, j'ai pu m'y déplacer et là c'est gratuit. Boum. Enfin. Oh là 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 là. Double touche, c'est la beauté de la perforation. Allez. Et Danantar a survécu. Oh well. Insensible au poison. Oh. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh les dégâts. Ah, il a je viens de voir les chiffres qui ont... C'est ça, il a survécu. C'est pas grave, elle monte. Alors attends, je vais voir, Kebra peut peut-être l'achever avec un petit tir ou quelque chose. Ah, ça serait pas mal. Je vais regarder, attends, est-ce que j'ai un petit sort avec quelle distance? J'ai une flèche d'acide, mais j'ai peur qu'elle y soit. Rayon de givre, tiens, c'est un truc. Rayon de givre, ouais, là par contre ça va aller, ça va mutiler. À mon avis, ça devrait lui faire mal. Oh la gifle! En plus c'est un sort mineur donc c'est bien, ça veut dire que ça ne coûtera pas quoi. Grave, alors moi c'était pour le LOL avec Archibald, j'étais en mode Overwatch avec, comment dire, avec boule de feu. Donc vraiment, c'était vraiment pour tu sais c'était pour le soutien émotionnel hein, je comprends. Voilà, je fais une petite sauvegarde et remets-toi peut-être en furtif avec Archibald, on sait jamais ce qui nous attend un peu plus loin. Je vois que là-bas il y a l'air d'y avoir un coffre, enfin une espèce de pierre de feu là à droite. Ouais, j'ai déjà lancé John. Il y a un caillou, ouais, il y a un caillou aussi par là, donc je vais faire avancer les personnages. Il marche sur les toiles. On s'approche du nid, regarde, il y a plein d'œufs là à mon avis, on doit pas être loin de la saloperie qu'on doit buter. Ouais ouais, on voit John tranquillement. Elle enflamme de souvenirs, le plus dérangeant c'est qu'elles sont insensibles à plein de choses. Bah ouais, comme beaucoup de créatures magiques en fait, il y a des insensibilités. La marche sur le mur est juste tellement un des skills les plus pétés. Mmh. On est d'accord. Hein. Il se passe des dingueries, on comprend même pas. Et là tu vois, je glisse, je reglisse, je reviens, je boum. C'est absurde. Alors qu'avons-nous ici? Une pierre de lave, encore une, toujours est-il. Excellent. Remontons à la surface. Hop, progression. Allez, de manière hasardeuse. On va faire avancer tout le monde. Ça, je pense qu'on s'avance doucement vers le truc, ça a l'air d'être une grosse salle ici. Je crois que je peux me tromper. Je vois un bras zéro. Ouais. Et on peut passer dans un trou là apparemment. On peut ramper. Alors attends, avant de lancer le combat. Merde, t'arrives pas là de là? Elle va quoi? Ah t'allumes, ok. Ouais, j'ai ça. Encore une fois, la beauté d'y voir quelque chose, tu vois. Bien sûr. Il y a un autre bras zéro, mais je ne peux pas. C'est tellement sous-estimé. Tellement sous-estimé le fait de voir des trucs. Oups. Ah. C'était le bras zéro. Oups. It's an super big deep spider. This is insane. Let's go back. I'd rather kill all the orcs in that damn volcano than walk down this spider pit in the pitch dark. Je te propose qu'on sorte la boule de lumière. Ouais, la bonne vieille boule de lumière. Même Kendra peut le faire, je crois. Ouais, je vais regarder. Ah, attends, elle nous a pas repéré, donc une seconde, où est-elle? Elle est là. Profitons de l'avantage. T'es prêt? Attention. Anneau de porteur de lumière. Allez, faites que ça passe. Faites que ça passe. Shit. C'est pas passé. Je voulais la faire briller elle en fait. Grâce à la sorcellerie. Ouais. Mais c'est pas passé. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais mettre un truc avec... Derrière nous, nous avons deux araignées juvéniles qui se sont réveillées. Ouais, c'est des petites merdes à 28, hein. Je pense que ça va pas être trop gênant. Ouais, c'est de la merde. Je vais mettre en hauteur. Ouais, mais mets-toi bien. Fin du tour. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Un Ovexo d'abjuration. Qu'est-ce que ça fait? Lancer dissipation de la magie, ça sera intéressant si jamais on souhaite. Voilà. C'est quoi? Ils nous ont pas encore remarqué. Passage sans trace. Allez. Plutôt que d'ouvrir avec des dégâts, tu vois. Ouais. Voilà. Comme ça, s'ils veulent vraiment faire un jet pour savoir où on en est, bonne chance. Et finito. Avec Elvira, je te propose quand même de. Ouais, la grosse orbe de lumière en plein milieu de la salle. Mais il me semble Kebra là, non? Je ne sais plus. You know what, fair enough, vas-y. De toute façon, on est. Light them up! Je vais la mettre vraiment centrée sur l'araignée, comme ça elle est suffisamment loin de nous. Non, parce qu'elle va courir un peu vers nous. On va être visible quoi qu'il advienne, hein, donc ouais, bah écoute. C'est quoi? Comme tu dirais, faire enough. On va mettre ça là. Voilà. Elle t'a même pas vu. Ok, bah attends, je vais la mettre ici. Je vais la positionner à côté de John. Bah là pour l'instant, on est encore, pour la plupart des personnages, on est encore invisible aux yeux d'ennemis. Ce qui veut dire qu'on a l'avantage sur le fait qu'il va pas nous attaquer pour l'instant, ouais, parce qu'il sait pas qu'on est là. Buff-toi avec Krysthal et j'ai envie de dire, attaque même pas ce tour, attends qu'au prochain tour Archibald t'ait mis invisibilité si tu veux. C'est sûr, parce qu'à mon avis elle va se tourner et... T'as raison, t'as raison. Peut-être qu'il vaut mieux... Parce que là je l'ai vraiment apporté pour taper dessus. T'as raison, charge, mets la max. T'appuies dans son gros sac à œufs. Exactement. Dommage. Oh là là, de dos en plus. Elle t'a vu, pas? C'est pas grave. Ouais, ça c'est pas grave ça. Mais d'où Jésus? Comment? Qu'est-ce que quoi? Bon, c'est pas grave, on va encaisser. Action légendaire. Aïe. C'est pas grave. Méritoire. Très bien. Alors, je vais voir avec Kendra si j'arrive à balancer hâte sur Krysthal. Ouais, je vais la rapprocher un petit peu. Et après, il faut que tu la planques. Ouais, bien sûr. Pas de stress. Voilà, on accélère. Mets-toi au sud d'Elvira et de John, planqué derrière le mur si tu peux. J'essaie de la remettre un petit peu. Le plus loin que je peux la ramener, c'est ici. Parfait. Je peux la ramener plus loin que là. Parfait, ça fait le taf. Okay. Alors, ils savent pas où ils existent. Ouais, les juvéniles, de toute façon, faut le temps qu'elles arrivent. Elles ont quand même pas mal de speed. 3 nouveaux participants. Ok, on a encore 3 petites en plus. Et je vous propose qu'on se focalise quand même sur la grosse et limite les petites. Un prochain tour avec Elvira, je vais lancer l'orbe de gardien. Comme ça, si ça s'approche, tu vois, de nous, elles prendront des damages. Avec 28 de vie, elles tiendront pas longtemps, je pense. Je suis très étonnée qu'elle ait esquivé quand même les 2 coups dans le dos. Hein. Enfin, en tout cas, un coup dans le dos, comme ça, quoi. Mais après, c'est un boss, hein. Bon, je dis ça, mais en même temps... Alors, c'est une question de bien viser. Oh, écoute, voilà. Côte de froid maximal, level 5. Ouh, jet de constitution réussi. Elle a pris que la moitié des dégâts sur 50. Donc 25 plus 9. Donc malheureusement pas grand chose. Parce qu'elle a réussi son jet de constitution. Elle est forte la connasse. C'est pas grave. Action tricherie durant notre tour. Hop. Mais après si elle gâche ses actions légendaires pour ça, nous ça nous arrange, je veux dire. Flèche x6, munitions simples, très bien. watts, on n'a pas besoin de plus. Déjà. Allez, je malheureusement vu où qu'on aille et quoi qu'on fasse. Ouais, quoi qu'on fasse et quoi qu'on aille, elle nous voit, c'est ça le prix. Donc c'est pas grave. Action de la tricherie. C'est bon, encore une esquive. Et une petite qui va nous rejoindre, voilà. Elle arrive au cac, c'est bien, regarde, elle se jette dans les bras de John. Ouais. Je trouve que c'est beau ça. Ouais, mais John est en mode archer, donc il faut que Krysthal la tabasse là. Enfin, il faut qu'Elvira la tabasse. Pas mal ça. Non mais du coup si elle touche, enfin si elle approche, ça va, elle va prendre tarif là. Ok. Ah, par contre, Kebra, il faut le faire monter. Il faut la faire monter à l'étage. Ouais, mais il y a plus de place sur le truc. Je vais faire bouger Elvira dans l'absolu. Mais Kebra est dans le truc. Regarde, elle prend des quoique Kebra aussi, elle a les esprits protecteurs, il me semble. C'est ça, c'est ce que je dis. Mais il suffit de faire double esprit. C'est ok, c'est rien. Ouais, elle fait pas trop mal. Il faut juste éviter que ça s'enchaîne de trop. Bon, on va essayer, on va retenter un truc. Mais des gifles. Hein. Ouais, j'y vais sale. Mais espèce de saloperie. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Mange, salope. Pardon. Désolé, c'était gratuit. Je suis pas d'accord sur le fait que voilà, hein, y ait toutes ces petites esquives là et tout, non. En plus, 4 actions par tour, tu vois, c'est la liberté. Ouais, ouais. Ah, ça se soigne. Ah, ah comme ça, c'est gratuit. Ah, c'est oui. Gratuit. Ok, ah, ok. Petit esprit gardien, invoque les morts si... du Mont Chauve, sauf si t'as mieux. J'ai plus, parce qu'on n'a pas pu faire de trucs, donc je regarde si j'ai autre chose. Qu'est-ce que je pourrais avoir avec elle qui pourrait être intéressant? Est-ce que j'aurais quelque chose? Est-ce que j'ai du damage? Ah bah tu sais quoi? Le petit sort de givre là, tu crois que ça va lui faire du mal ou pas? À la reine araignée. Mais avec Kebra tu veux peut-être... Ouais tant pis. Peut-être une petite, non? Non mais peut-être la planquer. Mais oui, mais je peux la bouger si tu veux, mais... Enfin, ouais, laisse tomber, t'as raison. Ah si, je peux la faire monter. Je peux la faire monter, mais elle risque de se prendre un coup. Tu peux la désengager. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle a esquivé. Elle va prendre une deuxième. Elle esquive. Rien, ça passe, nickel. Après, les araignées vont pouvoir monter au mur pour attaquer, mais... C'est pas grave, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux... Non, j'ai pas touché. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'autre que je puisse faire? Octroi des points de... Oh. Ok, très bien. On va finir le tour. Cette araignée est toujours surprise, ça y est, elle s'en remet. Ça y est, elle s'est dit... Oh, elle se réveille. Je me suis réveillée complètement torchée là. C'est ça. Alors, I believe all of you forgot about something. Alors si je fais ça... I believe I can burn. Oh mais bien sûr. Ain't that quacking crazy, Jimbo? Alors malheureusement, j'arriverai pas à toutes les avoir et en fait... Ah c'est fou parce que si je mets un cercle de feu à l'étage, ça ne brûle pas en dessous. Ouais. Je suis assez dégoûté. Et ça même, le ça... sac de feu autour de Krysthal à la limite, tu peux ça ou pas? Parce que regarde, oui, une petite araignée et la grosse. Du coup, bah ça ferait des dégâts périodiques qui peut-être nullifieraient un petit peu ce qu'elle se met en soin. Ah oui, définitivement. Mais ce que j'essayais, c'était de nous débarrasser des petites araignées à la con qui vont mettre Kebra en danger en fait. Peut-être Kebra, elle est solide sur ses appuis, comme on dit. Après, elles ont combien, en plus, elles vont prendre tarif à chaque fois qu'elles s'approchent dans le cercle. Ouais, you know what, fair enough. Tu as raison, nous allons t'assister. Mur de feu, cercle extérieur. Alors, tu auras un petit peu de casse pour te mettre bien, mais globalement, comme l'autre créature est énorme, elle pourra pas échapper à ça. Ouais. Là. Voilà, tu vois, t'as one shot la petite. Bon, par contre, t'es vraiment au bord, hein, donc marche. Ah, non, mais j'ai pas l'intention de bouger, t'inquiète pas. C'était pas prévu. Ok. Nice. Elle t'a pas touché depuis le début. Esquive. Esquive. Ah ouais, tu vois, regarde. C'est ce qu'on veut voir. Alors, petit poignardage de cul. Joli. Deuxième sauce. Ça ne tue pas. Il lui reste un. Oui, mais elle va prendre le tic des esprits. J'espère qu'elle est à portée, ouais. Mmh. Ok, esquive encore. Elle est morte, super. Ok, voilà. Ça, c'est ça de fait. Plus qu'à matraquer les juvéniles et puis. Tu veux que je tape les juvéniles? Ouais, descends et matraque pour être sûr que ça crève, tu vois. Parce que la reine araignée, elle est finito là, elle est dans le cercle de feu. Krysthal arrive bientôt. Ok, let's go alors. Non, boum. Parfait. Et de une. Ok. Elle a pris un dégât des gardiens. Elle a tapé. Elle rate. Riposte. Tiamar. Ok. Kebra riposte. Attaque d'opportunité ratée. Ah là 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 là, vas-y, ça c'est. Ça sent bon là. Regarde. Hop là, encore une petite esquive. C'est bientôt à moi. Finito. Allez, viens ma cocotte. Viens. Allez, allez. Ok, fort bien. Ah, par contre, je peux pas désactiver le mur de feu, ouais, il faut attendre mon tour. Et attends, Kebra va lui donner un coup de bâton sur la tête. Pouc. Raté. Je suis écœuré, je suis écœuré. Vas-y. Et là, il va faire une boule de feu, tu sais, du diable et tout pour tuer une petite araignée. Esquive, la saloperie. Adorable. Ok. Fin du bail. Et voilà. Attends. Si la cinématique nous met dedans, je rigole. Non, c'est bon. I promise I'll never scoff again at anything is possible in the Badlands. At least we got it. Hopefully that means another orc tribe behind us. You really want to give up this axe? Look at it. It's a masterpiece. Tirmarian smiths were just as good as the elves of Manacala. This axe is fantastic. I say we keep it. The gem's more important. And to get that, we need to give the axe to Bladefang. On verra bien ce que ça vaut. Hein. Ouais. Ah, c'est sacré. Attends, mais... Oh ouais, c'est... C'est bien ce que je pensais. Malheureusement, voilà. J'ai pas eu le temps. Non, mais t'inquiète. Le venin de la reine araignée, intéressant. Je regarde un peu partout. Je trouve juste des pierres de feu encore là qui traînent. Excellent. Voilà, t'as pris la hache qui était au sol du coup? Quelle hache? On l'a récupérée dans notre inventaire la hache? Bonne question, voyons voir. Krysthal est totalement incapable de bouger. Ah oui, léthargique, forcément. Hache sacrée des sables de G. Arme martiale légendaire. Plus 3, c'est une hache 1d12 plus 3 dégâts. Donc c'est une hache plus 3. Ouais. Qui vaut 21 000 $. Oh là là là. Et c'est une hache en bois qui porte la marque des artisans de Tiamar. Attends, hop, petite sauvegarde. Écoute, regarde, je la donne à Krysthal. Tu peux la mettre pendant un instant pour vivre ton meilleur délire. Et vivre tes instants. C'est dommage qu'elle soit si petite. C'est vraiment dommage que les armes... Oh, c'est ridicule, j'avoue. C'est vraiment dommage. Après, ton épée de dragon de feu ou ton épée de lumière sacrée, 2d6, 1d8 de lumière, ou... d'ailleurs, plutôt que de mettre l'épée de feu, mets l'épée de lumière sacrée, du coup. L'épée à deux mains éclatantes. Ouais, hein, parce qu'on est un peu dans le volcan. C'est vrai. On est dans le vulcano, donc tant qu'à faire. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est bien qu'on ait les deux. Elles font à peu près les mêmes dégâts. C'est juste que l'épée de feu a des dégâts qui sont un peu plus garantis. C'est juste que là, on n'y est pas, tu vois. Impeccable. On a récupéré ce qu'il fallait ici. Il reste encore quelque chose? Non, je pense pas. Il me semble qu'on a tout. Hein. On a tout. Ouais. On a tout, et il n'y a pas de... à la croisée des chemins. Est-ce qu'il y aurait une ouverture ici, par exemple? Ils font le chemin. J'ai une de mes modos qui se fout de ma gueule parce qu'elle me dit c'est dommage qu'elle soit si petite, guillemets, tu vois. Écoute, chacun ses plaisirs, voilà, moi je préfère les grosses armes, c'est tout ce que je peux te dire, voilà. À deux mains. Les grosses armes à deux mains, c'est mon plaisir personnel, je ne te juge pas sur les tiens, ne me juge pas sur les miens. Mais d'accord, je suis d'accord. Déçu par les orques pour le coup. Il n'y a rien du côté là où on n'a pas été voir. Du fric, une épée longue, de la serpentinite et un manuel de fabrication de potions de guérison supérieure. Que j'imagine, nous connaissons déjà. Non, on ne le savait pas. On sait maintenant faire des potions supérieures. Ok. Excellente nouvelle. C'est vrai qu'on ne savait faire que des potions bien, tu vois, mais pas les giga potions. Donc parfait ça. D'ailleurs, à ce sujet, tu peux même te mettre en mode fabrication, parce qu'on a du magnésium, des lys des bas-de-landes et de la fleur de lune. Ça coûte quasiment rien, et on peut faire des grosses postures de soins, donc ose. Let's go. Allons-y. Fabrication, grosse popo, parti. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas lancer plusieurs fabrications d'affilée. Pour tout ce qui est petit, je vais dire type potion, justement. Pour une arme, tu vois, c'est normal qu'on les fasse... une à une. Pour les petites potions, ça aurait été quand même sympathique de pouvoir en lancer plusieurs d'affilée. Je fais juste une petite sauvegarde et puis on peut y retourner. Je suis en train de regarder un petit peu ce qui est craftable parmi ce qu'on sait déjà. Et puis à demander Mestatrice. Attends, j'avais encore des parchemins aussi à te donner du coup. Qu'est-ce que j'avais trouvé? C'était pas délivrance, rappel à la vie, protection, blablabla. Il y avait un parchemin, je crois que j'avais pris, qui est sur Elvira. Eh ben, si on trouve une... de choc. Si on trouve Honte une de chemise... choc, tu l'avais pas? Si, je l'ai depuis longtemps. Ah, pardon, désolé. C'est pas grave. Si on trouve une chemise de maille, enfin une chemise de maille préparée, je peux faire une chemise de maille de l'impératrice. C'est qu'une chemise de maille plus 2. Et globalement, c'est l'équivalent, je crois, que ce que porte Elvira. Ouais. Donc c'est à définir sur 15, 13 plus 2. Et toi, ce que tu portes, c'est... C'est à définir sur 15, 14 plus 1, avec un bonus de Dex, mais comme c'est une chemise qui pourrait aller avec ton bouclier... Ouais, c'est vrai. C'est la fashion, tu vois, la fashion. Écoute, oui, on est d'accord. Absolument. Progressons et enfuyons-nous. Faudra qu'on en profite pour régène, juste. Je sais pas pour toi, mais moi je suis un peu à court de spell. Tout va bien. Moi j'ai encore toutes les couilles pleines, hein. Il n'y a pas une seule boule de feu qui est partie, enfin il n'y a pas un seul éclair traçant qui est parti, il y a 3 blizzards qui attendent, enfin. Écoute, ça zone. Je ne sais pas comment te dire ça, mais personnellement j'ai donné toutes mes faveurs. Voilà. Donc il faut que je les récupère. Elle a tout donné. J'ai tout donné. Fair enough. La question c'est où est-ce qu'on trouve du coup la fameuse clé de l'ordre d'Ebilus? L'ordre d'Ebilus l'orque, si tu veux. Alors... Puisque... Toc, toc, toc. Perceau de feu, trouver la hache sacrée, tuer la vieille reine, trouver la vieille reine, rendre visite, etc. Rapporter la hache sacrée, vous a demandé de trouver une clé à l'intérieur de la nécropole Manacala, au-delà du portail balafre rouge. Balafre rouge, pardon. C'est tout au-delà du portail balafre rouge, ok. Très bien. On pourrait y aller directement. Oh, quoique, t'as raison, donnons d'abord la hache à Debilman. Il va nous lâcher son point de repos du coup. Ouais, c'était de ce côté-ci. Hein. Ouais. La première porte qu'on avait faite, j'arrive. Côté du tombeau du coup. Allons-y gaiement. J'aime bien parce qu'on me dit de garder la hache, mais bon, oui. J'ai envie de vous dire, vous savez, au final, on va quand même crafter des trucs intéressants. Et ça, les gens sont là, une hache plus 3, c'est pété. Non, les enfants, parce que c'est une hache plus 3, c'est bien, avec un des 12 de dégâts, mais elle a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'effet magique, il n'y a pas de... Back with Nyarx. Have the... Voilà. Si vous la donnez, vous gagnez rien. Bah... Écoute, on suit le scénario. Here it is, your holy axe. I knew it was real. It is magnificent. Ah, nice vocabulary. You made Bladefang more powerful than ever. We follow you against Arok. Voilà. Ok, super. Et maintenant on peut utiliser le feu. Parfait. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Si on me dit que statistiquement c'est Osef, on a nos armes forgées, elles marchent bien, elles font le taf. Et puis au moins les orques nous suivent et c'est Kino. Je comprends votre point de vue, mais en fait, nous, on essaye aussi d'avancer au niveau du lore et de faire un peu les trucs plus ou moins correctement. Même pas ça, c'est juste que ouais, c'est tellement mineur. Mm. Oh, bah, c'est aller vite. Eh. Ah ouais. Ok, très bien. Je relancerai du coup une fabrication de popo, histoire de pas... Ouais. Alors, hop. Petite sauvegarde, maintenant que nous sommes full. Ah, il faut juste que t'arrêtes de bouger 2 petites secondes, voilà. Alors qu'est-ce qu'il vend? Il vend des haches d'armes, des haches à 2 mains, des petites potions et des potions de soins. C'est un orc. Et par contre, il nous considère légendaire, donc on a 30% de discount. Ah voilà, c'est ça qu'on voulait, on voulait la carte réduction famille. Par contre, il ne nous achète rien puisqu'il n'a pas d'argent. Donc la carte, voilà, c'est ça. C'est ça, quel dommage. Peux-tu nous téléporter tout au sud de la map au portail balafre rouge? Alors attends, nous allons y aller. Portail balafre rouge. Allons-y. Après, c'est Krysthal a donné sa parole pour rendre la hache, c'est aussi sa voix du paladin. Vous pouvez pas vous rendre à la destination, le chemin est bloqué. Ah, peut-être qu'il faut d'abord qu'on retourne. Attends, on va aller jusqu'au terrier. Ah non, c'est parce qu'il y a un truc bleu en fait sur la route. Un truc bleu sur la route. Il y a une grille bleue en fait. Ah, ok. Ah oui, parce qu'on est... Oui. On va faire le chemin, on va aller jusque la sortie, ici, et ensuite... J'espère que ça n'a pas repopé, là. Non, je pense pas. Ça repop, je pense, quand tu sors vraiment de la zone entière. Et encore. Et encore, ouais. Ok. On va sortir ici, et à partir de là, on devrait pouvoir aller jusqu'au portail. Voilà. Là, ça va marcher. Ouais. Parfait. Et ben voilà. Es-tu prêt? Excellent. Bon. Profondeur des ruines. Une clé qui permet alors que très lettré d'accéder à tous les endroits. Il m'inspire très peu confiance personnellement. Mmh. I think that's the necropolis. Orcs don't go there. I really can't see why. Let's go find this key. Alors attends, il y a la porte derrière nous, j'imagine celle d'où on vient, il y a une porte. Ah non, c'est pas une porte, c'est une bibliothèque. Une porte qui est fermée en face. Une porte fermée ça? Ok, cette porte ne peut être ouverte. Donc c'est pour sortir. Ok, très bien. Alors allons-y. Ah. Ok, zone magique. Kino. Il y a des petits trucs au mur là, attends, des espèces de petits miroirs là. Allons voir ce que c'est ça. Ok, en mémoire de Galatériel, dame de la maison, blablabla. Ok, je vois. Ouais, on est vraiment dans la nécropole avec des plaques et tout ça quoi. Alors par qui de confiance? Tu veux les lire toutes? Non, je les parcours pour qu'elles soient dans le oui. Dans le log. Voilà, maintenant. Oui, quand je dis les lire, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est simplement. C'est bon, on les a toutes. Ok. Alors, quelle sorte de mort-vivant ridicule. grosse statue. Il y a peut-être des Sorax qui nous attendent. Ah, that's a change of mood. Fantastic. It's like traveling back in time 1,000 years. Well, it still stinks of sulfur. C'est pas moi. On apprécie les milliards de crânes dans les pots et sur les murs. Oui. Attends, ouais, on peut regarder les statues. Qu'est-ce qu'ils disent? We have our answer. This isn't just any tomb. Yeah, it's a damned Imperial slaver's tomb. We know. This one was Leitha Erlin, first of his name. In the middle of the Badlands and not in the capital city? That's weird. It might have been displaced during the cataclysm and sunk down here. I would have expected something bigger, fancier. Maybe he was a modest emperor, if such a thing's possible. We still need to find an entrance to the city. Let's go. Il y a encore les autres statues qu'on peut visiblement examiner, celle de l'enfant derrière. Prince Kierlin, firstborn. His son never got to be emperor. Died too soon. Murdered, most likely. Happy families and all that. Let's go. Sa meuf. Ouais. Queen Sai finala, dearest wife and mother. Cute. Show some respect. Slavers. The whole lot of them. Oh. Venez pas faire genre. Venez pas faire genre. Il y a une plaque là. So far, this looks more like a museum than a crypt. Manicalan custom. The tombs of the powerful have a hall of honor before the burial chamber. It's a map of the Manicalan Empire. It must be 1,000 years old, maybe more. So they really did rule the world. This is invaluable. I should compare it to our own map. Here. This is Hickory Corner Wood. I've been there. And there's nothing but an old statue. The map shows an outpost. Maybe it's buried, like this city. Let's put that on our map. Maybe someday we can go check it out. Nice. Nouveau repère. Good. Ok. C'est de l'autre côté, ouais. Attends, avant qu'on avance, je vais juste faire une petite sauvegarde. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté de la... de la porte. De l'autre côté du miroir. Certes. J'arrive. Ok, alors il y a une sphère magique. Faut peut-être l'allumer. Yes. Non, elle s'allume toute seule, tout s'allume toute seule ici. Par contre, bouge pas. Sortilèges et sorcellerie. Il y a du mort-vivant en bas. Passage sans trace. Invisibilité. Oh, il y a un lanceur sur leur squelette. Oh, qu'ils sont beaux. Attends, attends. Tu vis les entames? Prenons un placement stratégique et astucieux. Comme tu peux le voir, rien ne bouge nulle part. Ok. Wow. Et maintenant, on va faire un truc. Tu vas laisser Kebra en arrière derrière un petit mur. Tu vas prendre Krysthal et Elvira. Et tu vas avancer le plus près possible de ce squelette. Ah, pas besoin de mettre une hâte pour ses ennemis, mais oui, oui. Écoute. Tu vas avancer le plus près possible de ce squelette. Vas-y, vas-y. Avec et Elvira et Krysthal. Genre, let's go. Et à la seconde où je vois que ça se remplit... ça commence. Oups. D'accord, très bien. C'est moi, j'ai cliqué trop tôt. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà éclairés. Ok, donc il y a aussi les créatures qui sont de l'autre côté. Joli. J'ouvre le bal. Hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ils ne valent rien. 13, 13, 19, 60, 60. Boah. Par contre, il y a une créature inconnue. Il y a l'air d'avoir une espèce de spectre derrière, un peu plus loin. Donc méfions-nous quand même. La magie, la technologie, c'est la lumière automatique et tout. ça qu'on aime. Ouais, je m'isole. Ok. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Charge! C'est l'heure de la ouah! Ah oui, d'accord, petite charge. Oui, petite charge. Voilà. Pulvérisé. Oh, un fantôme. Les chevaliers squelettiques. Ah, tu t'es planqué, let's go. Oui. Bah, Marcel, t'as pas entendu un bruit là? C'est ça. Bah, écoute, avance à côté de Krysthal, pareil. Ouais. Quoique non, t'as raison, reste peut-être sur le pont. Sinon, c'est un coup venir à... ici à côté de ouais, John, ouais. Plutôt. C'est un coup à se faire avoir, ça. Ok. À voir avec elle. Est-ce que tu veux que je prépare quelque chose ou bien... Non, non. Là, c'est vraiment un combat qu'on va utiliser. Même pas besoin d'y aller à la magie, si tu veux. On va brute force, parce que là... Genre, on les moleste. Où sont-ils ? Ouais, va falloir avancer. On a encore un chevalier squelettique et une créature inconnue devant. Moi j'en vais, j'avance. Oui, oui, vas-y. Et il y a encore aussi un archer et un autre, mais qui sont pour l'instant... Ah, ils sont en bas de l'autre côté à droite. L'archer squelette, il est là. Donc ça, c'est fini. Ok, c'est bien. Oh là 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 là. C'est finito. Ok. Surprise. 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 Alors, je vais la faire avancer un petit peu, mais on la laisse derrière. On voit les deux chevaliers squelettiques en haut avec la créature. Je vais les charger avec Krysthal de toute façon au prochain tour. Je vais foncer sur la créature inconnue. Ouais, moi j'ai pas de... Je peux tirer sur quelque chose de là ou tout est trop loin? Je sais pas. Tout est trop loin, je pense. Tout est trop loin, ouais. Tout est trop loin, donc on se cache et puis ne t'expose pas. Je suis fin du problème. Ok, alors attends. En plus, t'as bien fait de te rééquiper de ton épée de lumière. Ouais. L'épée qui fait des dégâts en plus de light. Ouais. Voilà, on va des fuchus et on y va, et c'est parti. Oh, ils vont rien. Ils vont rien, non, non, tu lui as à peine enlevé... J'ai fait un châtiment en toi. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais tu lui as à peine enlevé 25 points de vie si tu veux. Donc il a 40 PV, donc voilà. Ok. Les chevaliers squelettes sont la plus grosse menace et ça en est même pas une si tu veux. Ok. Je ne peux pas attaquer, donc... On va finir le tour, on va les laisser arriver. Voilà, chevalier squelettique. C'est bien, ils sont en train de se canaliser autour de moi, ce qui veut dire que on va pouvoir... Tu peux même enlever la discrétion et charger si tu veux. Là c'est... Attends, je regarde si j'arrive à faire quelque chose ici à distance ou pas. Gâche pas tes sorts, gâche pas tes sorts. T'es sûr? Ouais, ouais, honnêtement... C'est tellement du trash mob si tu veux là, c'est juste... On a largement les PV pour les tanker si tu veux. Et on a largement de quoi se soigner derrière à l'infini. Donc c'est la WAG. Regarde. Allons-y. On enlève la discrétion. On prend les dagues. On prend tout ce qui va bien. Ruse. Sprinter. Double sprint. Voilà, on va juste faire en sorte que du coup... Voilà, il puisse pas se désengager. Mais on va se mettre là. C'est l'objet de passer à côté de toi. Voilà, très bien. Je peux pas l'attaquer par j'ai double sprint, mais. Ouais. C'était échec critique. Aïe. Et tu vois, 7. Même avec un repos court, on sera debout. Ah, j'ai oublié d'enlever le truc. C'est pas grave. C'est pas grave. J'étais un peu plus lente, quoi. Démerdez-vous. Démerdez-vous. I am unbeatable. Tu vois, c'est ça, ils vont demander quelques gifles, mais je suis pas... Ouais, bah après, tu vois, j'ai mis des châtiments sur le spectre par principe, tu vois. En disant, je sais pas trop ce que ça encaisse. On voyait pas ses PV, on savait pas ce que c'était. Ouais. Donc ouais, ça nous a fait peur, on comprend, tu vois. Mais là, là, c'est de la merde en boîte, bon bah... Ouh, petite esquive. Attention. À 17, hein. Deuxième coup. 17 c'est raté, hein. 17, ça rate, hein. Bonne chance, hein. Elvira va lui mettre un petit coup sur les nuques. Allez hop, vulnérabilité, massue. Le compte en vent. Oh là là, le compte en vent. Oh la claque. Il s'est pris un petit bitch slap là. Allez, je le poignarde, mais c'est vraiment pour faire joli, hein. Ouah, ça tue. Ah, je m'y attendais pas. Oh la colonne. Mais tu vois, j'ai demandé à ce qu'on économise les ressources pour ce combat parce que voilà, alors, on aurait même pu le jouer en temps réel, tu vois ce que je veux dire. Si tu fais clic droit et t'attends que ça se passe, enfin ça va aller. À nos sorties de joyaux, il faudra... On a 2-3 trucs qu'on a ramassés, il faudra les alors, analyser. J'ai trouvé une potion de vitesse, bouge pas, je vais la donner à Krysthal parce que c'est une potion qui ne te laissera pas... Tu peux pas te faire quequer en fait. Tu peux pas te faire avoir, parce qu'en fait comme le porteur ne tombera jamais... tu sais, t'es le porteur, t'as bu la potion, donc tu peux jamais te mettre en mode léthargique parce que quelqu'un t'a décaste, tu vois. Ouais. Donc la valeur est folle. Aussi à faire un truc de... pour sentir la magie quand on aura tout ramassé. Je le frappe pour faire genre, mais il le tue. Bah oui, écoutez, chacun ses plaisirs, hein. C'est voilà, il a donné un petit coup histoire de participer au combat. C'est ça, mais c'était effondré. C'était vraiment involontaire de ma part, Albacha, c'était de la merde. Ok, très bien. Alors, donc on va relancer fabrication. Alors, voyons voir, rituel, détection de la sorcellerie. Arcana, Divo, Oculus. Alors, qu'est-ce qui brille? Qu'est-ce qui brille? Est-ce qu'on a quelque chose qui brille ici? Je vois rien de particulier dans mon inventaire. Ah, j'ai pas l'impression. Et sur Elvira? Elvira, est-ce qu'on a quelque chose? Non, rien de... Non, bah on est bon. Rien de spécifique. Est-ce qu'on a été chercher en bas, à droite? Oui, devant la porte... Ah, en dessous. Non, non, il y a un petit... En dessous, là où t'as tué l'archer. Je l'avais pas vu, je vais le prendre. Vas-y, il y avait un pot là, vas-y. À côté de la statue là-bas, oui, je l'ai pris. À côté de la statue en bas. À côté de la statue, je l'ai pris. Et là... Dans l'urne. Il y en a un sous le pont. Ah, putain, et un oui, d'accord, de... ok, j'ai la statue de gauche, très bien. Oui, pardon, excusez-moi. C'est bon, je vide tout. Alors, nous avons un livre, grimoire codé pour le cercle de Danantar, qui n'intéresse que le cercle de Danantar. C'est bien quand ça n'intéresse que eux, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Pas comme la dernière fois, comme des sacs. Un arc long, une masse. Une couronne en bronze et un cierge. Rien n'a l'air magique. Je vais quand même vérifier. Non, la couronne en bronze peut être vendue. Rien n'est magique. Donc dégoûté. Ah, c'est pas grave. Hein. C'est déjà un petit peu fait plaisir. Petite sauvegarde. Ce petit combat. Voilà, on va se remettre en prudence. Elle tombe en personne, même pas besoin de la prudence, là on a gagné le combat. T'es sûr? Regarde. Ouais. Ça pue la merde, hein. Regarde cette belle salle. Je crois qu'il va rien y avoir ici. À mon avis. On peut pas avancer plus si on peut que cliquer sur le tombeau. Voilà. Who dares disturb the eternal rest of the Emperor Leitha? On a perdu notre chemin. D'un côté, charisme, persuasion et archival. J'ai l'impression que charisme, persuasion est la seule qui nous laisse la chance de réussir quelque chose, mais nous ne voulions pas vous manquer de respect. Je me demande si ça... Écoute, hein, au pire Elvira, et puis si ça passe pas, on le bute, et puis fin de l'histoire. Your city is infested by orcs. We're here to clean it up. What are orcs? Smart move. Evil monsters. They're desecrating your city. No. Clearly, you are runaway slaves. You will be punished. Enough of this. Let's wipe this slaver's ghost from Solasta. Porte fermée derrière nous. Ah, on n'a pas eu le temps de. Okay. C'est pas grave, on va lui péter sa gueule bien comme il faut. Mais on n'est pas surpris. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Créature inconnue, un mort-vivant incorporel pouvant drainer votre vie et haïssant la lumière. Et empereur Laetar. Ça se tombe bien près des torchères, du coup. Ouais, qui est bien énervé. Alors. Je propose qu'on bourre l'empereur jusqu'à ce qu'il s'écroule. Merveille, bord de vue. En fait, il va falloir que Elvira s'envole. Ah, mais elle joue en dernier. Quel enfer. J'aurais voulu faire un bon vieux cercle de flammes, tu vois. À l'ancienne, c'est juste que malheureusement... Malheureusement, elle ne peut pas s'envoler. Attends, bannir. Une créature extraplanaire peut être bannie de manière permanente. Ça marche sur... Bah, pas sur le boss, à mon avis, mais peut-être sur les petits. Fais voir. C'est extraplanaire, ça, ou pas? Un mort-vivant éthéré. Je dirais que oui, hein. Enfin... Un mort-vivant incorporel. Si c'est pas extraplanaire, je sais pas ce que c'est, quoi. Ah ouais, enfin, mais je... Incorporel, extraplanaire, ça me semble... Pas dit, tu vois. pas dit. Je sais pas. Et enfin, est-ce que je vois les autres de là? Ouais, je vois les autres de là si je m'avance. Donc on va s'avancer. Est-ce qu'on tenterait pas un petit bannissement? Essaye. C'est quoi ça? Moi je dis ça se tente. Je vais mettre ça sur un petit. Histoire que ça, ça passe. Ouais. On va voir, hein. Dehors! Boum! Ça marche! Boum! Boum! Dehors! Il vient d'ouvrir la porte de chez lui. Allez. Et de donner un grand coup de pied en le mettant dehors. Looks like you're going to the Shadow Realm, Jimbo. Allez, on... Dans le Shadow Realm. C'est parti. Regard paralysant, mais t'as survécu. Tout va bien. Ok, alors... Qu'est-ce qu'elle est là? Archibald, le modérateur, banned directement au Brésil. Boop. Snapped à la Thanos. Empereur Létard, je me sens pas très bien. J'ai une petite migraine, je peux rentrer chez moi s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. Ah, il a pchouite quoi. Bon. Et eh ben, plus qu'à attaquer ce minable. Le problème, c'est que de là où tu es, il n'y aura qu'une personne qui va pouvoir l'attaquer. Donc je ne vais pas bouger, sinon Krysthal ne pourra pas l'attaquer. Oui, il n'y a pas de problème à attaquer. On va bourrer. C'est un esclavagiste, hein. Il va falloir qu'on lui latte la gueule. Oui. Sauf que là, pour allumer cette fille, donc... Corrosion, flèche. Pas en pix, hein. C'est rare quand ça rate, mais ça rate. C'est vrai que c'est rare. Je t'ai étonné. Ah. Les orques aussi, comment ça les orques aussi? Non, c'est pas des créatures extraplanaires les orques. Extraplanaires de base, on est sur plutôt sur tout ce qui est spectral. Banni, condition pénalisante. Ah, attendez, banni, la créature est retirée du jeu pendant toute la durée du sort à moins que celui-ci ne soit rompu avant. Dans le cas où il n'est rompu à aucun moment pendant cette durée, la créature est bannie de manière permanente si elle est extraplanaire. D'accord, donc en fait, il faut tenir 1 minute, donc 10 tours. Et si d'ici 10 tours, comment ça s'appelle, Archibald n'a pas perdu sa concentration, le monstre cesse d'exister. Ok. Good to know. Aïe, Kebra. Non, c'est pas sur elle. Nickel. C'est bon. En plus, il a choisi de gâcher son tour en attaquant comme un débile. Donc maintenant, Krysthal, let's go. It's my turn. C'est l'heure de démettre de la violence. Bonjour, est-ce qu'on vous a parlé du droit du travail? Well done. Oh. Zap. Les dégâts. Ça touche ça? Ça touche. Ça touche. Deuxième, châtiment. Peut-être un troisième. Vert. Ça touche. Ah, c'est vénère, hein. Allez! C'est ce qui s'appelle un trichote. Pulvérisé. Plus qu'à en finir avec l'autre saloperie là-bas. Je vais la mettre là. Ah, attention parce qu'il peut drainer les points de vie et de la merde lui, attention. C'est pas grave, regarde. Je la mets sur son chemin pour essayer d'éviter que... Dommage. Aïe, Kebra. C'est pas grave. On va... je vais la déplacer et je vais la soigner. Alors par chance, elle a résisté au drain. Alors, bah, il faut qu'on l'attaque cette merde. Ouais, c'est en cours ça. Est-ce que ça me fait mal? Insensible, ok. Ah bah oui, mais... Oui, non, c'est logique, mais c'est déjà, ça a déjà marché sur des morts vivants, donc ça va le coup de tester. Ça va le coup de tester. You know what, fair enough. Alors moi, il faut que je garde la concentration. Il faut que je garde la concentration. Alors, je vais désengager Kebra quand je pourrai après. Cône de froid, ouais, non, ça touche malheureusement un peu tout le monde. Ouais, non, ça. C'est un peu le fusil à pompe de ta vie. Tir laser. Écoute, là, c'est qu'une question de viser correctement. Précis, précis. Attends, je suis bête. Excuse-moi. Ah, voilà, très bien. Précis, 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 précis. Ah donc, ouh. Ouh, ah, il a pris la max parce qu'il n'a pas esquivé la résistance. Donc il a pris 34 de dégâts net. Voilà qui me fait plaisir. Maintenant, allons nous cacher de manière à pas se faire briser la concentration. Oui. De manière à ce que l'autre reste banni, tu vois. Alors attends, ma femme. Ah, désengage. Mais pas vers Archibald. Tant pis. Ah, pas vers Archibald. Non mais en fait, c'est John. Ouais voilà, mais tant que même pas dans la direction, tu vois, mais tant qu'en fait histoire de répartir le plus possible. Mais c'est pas grave, Attends, je me soigne, me guérison. Un mot d'amour. Exact. Bah pourquoi ça marche pas? Guérison, allez, soigne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est une créature. Ah bah voilà. Voilà. Parfait, hop. Sympa. Parfait, voilà. Ok, cac. Ouais, cac. Et on va essayer de le limiter le plus possible. Allez. Well struck. Joli coup. Petit deuxième. Bien. Ça lui a fait... Pas beau. En vrai. Ah si c'est bon, ça lui a fait mal. Le premier coup lui a fait mal, le deuxième lui a rien fait parce que froid, poison et perforant. Il résiste au perforant, il est insensible au froid et insensible au poison. Donc okay. J'ai dissipé la fumée qui compose son fantôme, tu vois. Voilà, ça prend. L'intégralité de ce combat était l'équivalence. Ah, il faut que tu passes tes tours en fait. On fait passer les tours. Passe tes tours à l'infini, ouais. Regardez cette strat. Regardez la strat de... On passe le tour. Je passe le tour, je passe le tour, je passe le tour. On va voir comment ça marche du coup. On attend que ce soit bandef. Hein. Ouais. Ça c'est quand vous êtes des connards sur un chat. Le bandef ça marche très bien. Voilà. Par contre le dépop, surtout la manière dont... Ouais, c'était bien. Le bannissement. Par contre, le bannissement, le jet de résistance, t'as vu, c'est un jet de charisme. Donc c'est fou en fait. Ça marche sur n'importe quoi. Le seul truc qui pourrait ne pas être banni, avoir du charisme, éventuellement, c'était l'empereur. Parce que comme c'était un humanoïde, tu vois, tu t'attendais à ce qu'il ait du charisme. Mais là, cette espèce de fantôme tout moche, allez. Induite. C'est vraiment OP d'être sorcier. Jusqu'à 10, hein, c'est ça? Oui, oui, il faut que ça dure une minute. Et encore, j'ai fait ça au tour 2 ou au tour 1, je sais plus. Donc ouais, c'est ça. Je sais bien que les mecs... Plus personne ne bouge. Ne bougez plus. On attend que ça, confirme. Respirez pas trop fort. John qui s'allume une clope, tu vois. Non mais ouais, c'est ça, Mais même pas, c'est juste dans le tas, t'as un silence de mort et au bout de 59 secondes... Il se passe toujours rien. Bop. Quand ça bannit. Il se passe toujours rien. Bah alors, il a été débanni. Il est déban. Ouais, non, mais il est déban. Ah. Ok. Je Je comprends pas le concept de la stat de charisme. Ça bah c'est compliqué, faut que tu regardes un peu. C'est bizarre. Hein. Bon bah écoute, on va lui péter sa gueule, hein, tant pis. Ouais. Touché. Ah, il n'est pas originaire d'un autre plan, donc il revient après une minute. Ah. Oh. Oui d'accord, on peut pas le... Ah, d'accord, il est français. Donc on est obligé de le garder et de lui mettre perpète. On peut pas l'expulser, voilà c'est ça. C'est pas possible. On est obligé de gérer notre merde nous-mêmes, très bien, très bien. Alors oui, il fait des dingueries sans doute. Ah non, regarde, hop là. Ok. La première attaque contre cette créature a un avantage. Baissez-vous. Je vais passer avec elle. Alors, je sors mes couteaux. John peut finir, ouais. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Ah. Moi, je te dis, je suis sûr que l'esclavagiste là, il doit avoir un petit truc bien sympathique pour nous. Attends, petite sauvegarde. Bah, le truc, c'est que non, c'était des fantômes, donc j'ai pas l'impression qu'ils aient looté quoi que ce soit, en vérité. C'est sûr, il y a pas, il doit y avoir. Oui, mais on doit avoir activé un truc. Par contre, on a gagné un niveau, ce qui en soi est un loot amplement suffisant, si tu veux. Et nous avons la clé dorée, une clé dorée d'une incroyable complexité, fabriquée par les maîtres horlogers de l'Empire Manacala. Très bien. Il y a une tombe, attends. Est-ce qu'on peut passer là derrière ou pas? Non, j'ai l'impression que c'est un cache-misère. Qu'est-ce qu'on a là? On peut pas aller sur le... Il n'y a rien par terre, hein, on est d'accord. Hein. Oh, d'où Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose? Il y a des assassins Sorax, des saboteurs Sorax, Urka... Un acolyte Sorax, un abomination Soraka. Oui, apparemment Urka, l'orc qui savait lire, était un Sorax. Et il nous attend avec tous ses petits copains. Donc j'ai fermé la porte. T'as bien senti le... J'ai fermé la porte direct, ouais. J'ai ouvert la porte, j'ai vu ça, j'ai refermé la porte. On arrive. Oui. Attendez, 2 petites minutes, on revient. Donc, alors, en sachant que... Quoi qu'on en fasse, on va se faire avoir. Donc, attends, prochain... je vais juste soigner, si tu permets. Vite fait. Déjà, voilà. Qu'elle se soigne. Moi, ce que je conseille, voilà, c'est de laisser Kebra bien en arrière. Oui. J'ai peur que si elle te balance un sort de buff, la cinématique compte comme du temps et nous débuffe automatiquement. Oui, oui, oui. Quand le combat commencera, il faudra que Krysthal boive une potion de vitesse. Attends, j'en ai une. Pas tout de suite. Mais quand ça commencera, tu boiras la potion de vitesse et du coup, tu seras indébuffable. Oui, non, mais je regardais si j'en avais une sur moi. C'est tout. Okay. Ou alors, je peux ouvrir le dialogue avec une boule de feu directe. Quoique, non, attends, les orques. On ne sait pas si les orques sont les ennemis, ceux qui sont sur le pont, là. Mais en dessous, il y a des saboteurs Sorax, des assassins Sorax. Quel enfer. Quel enfer de ces morts. Écoute, on va prendre un risque parce qu'il n'y en a pas réellement à ce que tu sois... comment ça s'appelle? À ce que tu sois débuff ou pas. Mmh. Je réfléchis, ouais. Ouais, il y a du monde, il y a des orques, il y a des... T'as raison. Attends, je vérifie quelle sortie je balance là juste avant. Parce que là, il n'y a pas de risque à ce que tu sois réellement débuff. Mmh. Si je le place... Ouais, ok. Allez. Et... Pouf! Invisible. Allez, on se magne avant que ça se dépop. Une minute, t'auras genre 5 tours. Sauf si ça se décaste à cause de la cinématique, mais on verra bien. Urka. I must say, I am impressed. You followed us? So you don't have to bring the key back to me. You really want that key, don't you? Actually, I wanted the ghost to weaken you. Make it easier to take that crown from you. J'ai tiré d'abord. J'ai normalement tiré d'abord. Ok. Même si c'était un sort de merde parce que j'ai paniqué. Non, 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 et ils sont surpris. La moitié d'entre eux sont surpris. C'est pas grave, vas-y, on fonce sur K. Alors, il faut me placer intelligemment. Là, c'est parfait. Nickel. Très bien. Nous avons l'avantage. Alors, Urka, Orc et Orc. Saboteur Soraka, collectionneur abomination Soraka. Ok, mais fais une ligne de manière fiable parce que je vais faire une boule de feu. C'est-à-dire, attaque Urka, mais ne le contourne pas trop. Oui, je me mettrai devant. Joli empoisonnement en plus. Oh, bien, oh, bien. Tu l'as mutilé, ouais. Ah putain, ils sont invisibles, les assassins. C'est pas grave, on mettra une zone de feu autour de nous, au pire des cas, plus les gardiens. Ouais, mais il faut qu'Elvira utilise ses bottes dans ce cas-là pour s'envoler et aller loin. Ou que ce soit Krysthal qui parte devant. Oh, puis on bourre. On bourre. Moi, je dis on bourre. Ok, très bien. Alors. Voilà. J'ai plus de sort de hâte. T'as une potion. Bois la potion. Oui, non, pour. Oui, bien sûr, mais je parlais avec elle. Je regardais ce que je pouvais faire avec. Ah, Kebra, pardon. Avec Kebra avant de la déplacer. Ce qu'il faudrait, c'est achever Urka idéalement. Ouais. Est-ce que t'as un sort de zone histoire d'être sûr que ça touche? J'ai pas de sort de zone. Tant pis, on espère alors. Je vais faire une petite flèche acide. Ça touche. Okay. Très bien. Et je vais la mettre à côté. Ouais. Je vais la mettre. Quoique, c'est dangereux. Hein. Les assassins pourraient lui tomber dessus. Hein. Je vais la mettre au niveau de la porte, d'accord? Ok, ouais, vas-y. Quoique, vas-y, fais-lui passer la porte et fais-lui fermer la porte. Ah, on peut pas. Dommage. On pourra pas, ouais, parce qu'on est en combat. Mais je vais la mettre au niveau de la porte. Je vais la mettre juste ici. Simplement qu'elle soit en retrait. Non, lui il tente de gris. Ça va être sur elle. Elvira. Ah non, c'est sur John. Il me touche. Okay. Surpris, excellent. Très bien. Alors, faisons le ménage. Ouais, t'inquiète. Quoique tu pourrais. Presque. Non, ils ont que 15 PV, oublie-les. Oublie-les. Charge en dessous du pont. Pour affronter l'abomination, les acolytes et éventuellement tenter d'intercepter par la gauche les poignardeurs de cul dans les escaliers gauche. Ok, mais attends, c'est quoi? Parce que je veux dire, c'est les orques, ils ont 15 PV, un éclair et c'est finito. Okay. Je vais me positionner ici en bas avec Krysthal. Le saboteur Soracar, tu vois, il est encore surpris. Donc, ouais. Prochain tour, voilà. Il vole. Ok, il vole. Très bien. Pourquoi pas. Très bien. C'est un plan. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec... Est-ce que je mettrais pas la boule avec elle? Les gardiens, histoire de défufus peut-être les... Alors je pense pas que ça les défufurait, mais en tout cas on y verrait plus, c'est sûr, mais quiche-les. Non, je parle de les esprits gardiens. Ah oui, pas mal. Pas la boule de lumière. Hein. Excellente idée. Je vais faire ça ici, parce que comme ça, tu vois, ils seront obligés de passer dans la zone de dégâts, en fait, pour s'approcher de Kebra. Ah, génial. Très bien pensé. Alors là, je pourrais balancer un éclair et tuer les deux orques. Vas-y, comme tu le sens. Bourrer une bonne vieille... Alors qu'est-ce que ça se fait si je fais un cône de pluie? Alors le cône de pluie malheureusement touchera pas les... Ah si, ça les touche. Regarde, ça les touche. Ça les touche, tout le monde prend tarif. Alors faut juste pas que je touche... Avec ça, tout le monde prend tarif. Vas-y, fais-toi plaisir. You know what? Ça va me faire plaisir. Vas-y. Ouh, la nuée toxique aussi, ça c'est énervé. Non, attends, avec ça. Écoute, je vérifie juste que ça ne touche pas. Okay. Voilà. Ah, counter spell. Ah, il a raté. Joli. Quel sac à merde. Il a raté son counter spell, ce sac. T'as one shot celui du bas et t'as salement entamé l'acolyte. Parfait. Et en bas, t'as retiré un tiers des PV au gros. You dumb bitch. Quelle naze. Là, je m'équipe de l'arc, même si j'ai un désavantage. Allez, ça, ça touche. Je suis au cac, le mec sort son arc à la ligne. Écoute, tu sais pas s'il a peut-être rien d'autre dans ses poches, hein. Voilà. Pas jugé comme ça. Et accessoirement, hop, je me désengage et je bloque encore plus la route vers Kebra pour être sûr qu'il n'y a pas de... Pas de dinguerie. Oh, alors 22 prix de dégâts, sauvegarde de sagesse. Ah putain, oui, il est dans la... Ils sont dans les zones, hein. Ils sont dans les zones. Il est dans la zone, ouais, bien joué. Ouh, putain, c'est assassin. De l'ombre, attention. Bon. Un petit 5, ça va. Ça va, bon, ça va, ça passe. 0 sur 20. Régénération, mais il est insignifiant. Alors l'autre, j'aime bien parce qu'il dit ça joue, mais... You've seen worse. Qui il a attaqué? Ah, ils sont... Les deux sont sur... Ah oui, d'accord. Les deux sont sur Archibald. Ok, tu me les laisses, hein. J'ai beaucoup de colère. Il n'y a aucun problème. Attends. Achève l'orque qui est en face de toi avec Kebra, peut-être. Tente une dinguerie, tu vois. Attends. Là, en plus, ce qui est nickel, c'est qu'avec Krysthal, tu vas pouvoir attaquer l'abomination Sorax sans passer par la zone de givre, si jamais il passe du bon côté. En plus, t'es visible. L'invisibilité a des pops. Alors, attends. 2 secondes, je vais juste la déplacer. Est-ce que j'ai pas quelque chose ici? Il me semblait que si. Et non. Et là, dedans. Oh, fort, t'es mal. Et il me reste encore un rayon de givre ici. Voilà. Nickel, ça va l'achever derrière. Voilà. Fin du tour et il va être dans le relais. Voilà, ah. Ok, attaque d'opportunité. Dommage. Dommage. T'as le droit d'attaquer après un déplacement pareil? Non, il a pas le droit, super. Parce qu'il est allé loin quand même, tu vois, j'étais quand même surpris en mode... Hey. C'est parti. 1, ça touche. Dommage. 2, ça touche pas. Ok. Bon bah, alors, pour. Hein. Ouais, t'inquiète. Est-ce que tu connais le toucher rectal? Échec critique, dommage. Ouais, c'était trop gros pour mes petites mains. Alors, bien match qui est pas content là. Politely. Arcana. No. Ouf. Victory is mine. Voilà. Victory is mine. Il y en a un qui est mort d'ailleurs. Passage, super. Ouais. Ouais. On sort les couteaux. Il reste un assassin et l'autre. Petit toucher rectal. You have them now. Finish him. T'as un meilleur doigté que moi. GG. Finito. Très bien. Vas-y, joue. Ah, il passe dans le non-feu. Ah, il touche. Salaud. Oh là là. Il griffe. Ah, il griffe. Je suis pas d'accord. Il griffe. C'est mon mien. Laissez-le moi. Okay. Laissez-le moi. Ok. Très bien. Attends. Fortement. Je vais juste dépasser les persos. Comme ça. Alors. Il va s'étirer un petit coup, se faire craquer la nuque. Bout portant. Arcana. Evil. since child. The Sorax, the Gax, they got to him, I guess. But all these Arks too. The Sorax took over a whole world back on Tiamar. The crown? It could stop them? We think so. Hope so. You need Arok Stone. For real. Soudainement, l'orque est investi. Zap. Voilà. Quand ça survit. Quand ça survit. Je ne sais pas. Quand ça survit, échec. Désactive tes... Mais quoi? Tes gardiens. Ah oui. Parce que ça balance des dés de survie et je... Voilà. Ok, c'est bon. Ouf. Bon, je trouvais que c'était joli, tu vois, un peu comme les LED. Dans ouais, mais quand ça, balance des dés, quand ça balance des dés de survie, je sais pas de quoi ils survivent. Sacoche de poussière, une sacoche remplie de poudre translucide. Propriété armure de cuir. Oh. Un corail de méduse. Oh. Une armure de peau. Ici, juste des crasses dans le sac. Encore un sac en bas. Plusieurs sacs en bas. Ouais, ouais. Oh, un saphir, parchemin de compréhension des langues, parchemin de fléau et une dague. Somme toute, malheureusement, pas grand-chose. Ça avait été pillé le cercueil de l'autre côté, le sarcophage. Oh, attention, je profite une seconde. Je t'en prie. Voilà, 6 heures. J'écris quelques menus sortilèges. Voyons voir. Parchemin de rappel dans ma prime jeunesse. Oh putain, parchemin de vision suprême. C'est énervé ça. J'ai pas le niveau pour le faire. Rappel à la vie, non. Ça, non. Ça, non. Accessoirement, le sortilège que j'ai appris, c'est bouclier contre les énergies. Donc c'est un sortilège de très haut niveau, apparemment. Mais ouais. Si ça marche, ça te protège grave contre un truc. Compréhension des langues. Et je ne sais pas ce que c'est. Identification rituelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est magique. Excuse-moi. Non, prends ton temps. Je t'en prie. Poussière de disparition. Ah. Consommable. Créée par l'Arcanéum, cette poussière est un outil préféré des murmureurs silencieux dans leur lutte contre la dissidence et la rébellion. Octroi invisible. C'est l'équivalent d'une potion d'invisibilité, mais celle-ci dure 5 minutes, ce qui n'est pas dégueulasse. Je vais le filer à John. Voilà. C'est littéralement de la poudre de perlimpinpin. Oui. C'est cute. Où est John demi-pinte? Un petit peu de poudre de perlimpinpin, et voilà. Plus de problème. Oh, attends, il y a un autre coffre là-bas qui brille. Je l'avais oublié. Parchemin de détection du poison et des maladies. Parchemin contre les MST, enfin. Ah, voilà. Malheureusement pas apprentissable. Tant pis, tant pis. Eh ben écoute, nous avons tout. Le cercueil en bas. Oui, non, mais on a déjà pris ce cercueil, on a déjà tout pris. J'ai tout pris si je dis pas de bêtises. Oui, le cercueil, tu l'as pris. On a tout pris. On se casse, on se casse, on se casse, on est bon. Bon, en tout cas, on est allé dans la tombe d'un gars aujourd'hui. On a bien foutu la merde. On a buté le fantôme du gars pour être sûr que sa tombe serve à rien, tu vois. Mmh. On a buté des orques qui en fait n'étaient pas des orques mais des lézards. Très bien. Attends, je fais une petite sauvegarde si tu permets. Bien sûr. J'arrive. Le fait qu'on ait gagné un niveau, par contre, c'est huge. Oui. Truly formidable. Most unfortunate. The fight is not yet over. One foe down. Ça va sûrement encore. Attends, est-ce qu'on n'a toujours pas accès à cette nouvelle porte maintenant qu'on a la clé? Stay with us. I owe you one. Vu que maintenant on a chopé une clé, machin chose là. On peut l'ouvrir ou pas? Non, ne peut pas être ouverte, toujours pas. Ok. Un un effort méritoire, mais futile. Et pareil, tu vois, il y a une porte qui est fermée derrière l'espèce de drap mystique du truc. Et je me pose la question, une seconde. C'est moi qui essaye. C'est toi qui as la clé, peut-être que tu devrais essayer avec ton personnage. Non. Non. Ok. Tant pis, tirons. Oui. Vous avez la clé pour visiter toute la crypte maintenant, un instant. Ne quitte pas la zone. S'il le dit... Peut-être que ça c'est juste une sortie. Est-ce qu'on retournerait pas dans la salle du fantôme du coup? Je vais... Ah, la porte est activable. Effectivement, retournons dans la salle du fantôme. Oui, maintenant la porte, je la vois. Je la vois, je la vois. J'ai cliqué avec Archibald. Nous sommes en route. Vu que c'est lui qui a la clé. Oui, oui. Puff, puff, puff. Je commence à avoir pas mal d'armes et d'objets à la con. Oui, ben on ira faire un petit peu de ménage dès qu'on retourne en ville, quoi. On aura plein de pognon. Là, il faut... On peut déjà terminer, du coup, ce qu'on a là en termes de quête à faire ici et aller tuer Arok pour récupérer cette fameuse gemme. Cette porte ne peut pas être ouverte. Parfait. Quelle est cette sorcellerie? C'est la maxi-baise. Et pourquoi? Est-ce qu'il faut d'abord qu'on aille peut-être valider la quête ou... Comment ça se fait? La quête est difficilement validable, il est mort. Oui, mais enfin, oui, bien sûr. Mais j'imagine que c'est quand on ira affronter Gigoloman, Orc Fireman, et qu'on pourra sans doute ouvrir des portes. Genre le chat, fuck, sorry Bob. Oh là là. Belle info de chat de sa part. Juste avant, vous avez la clé pour visiter toute la crypte maintenant. Belle utilisation. Vous étonnez qu'on vous écoute pas. Hein, magnifique utilisation du conditionnel. C'est pas grave. Parfait, on se casse. Excellent. Okay. On était venu par le côté, on est d'accord? Ouais. Sans aucun doute. Ah, attends, peut-être on va passer par la map, ce serait plus facile. Oui. Il faut qu'on aille à la tribu des Lames Pro. Il faut qu'on aille voir Radulf. Et après, on ira voir les sables de G pour leur dire au fait, votre patron, c'était de la merde. Une autre info de chat, il y a peut-être un mécanisme. Ouais, bah vous allez attendre là, hein? Déjà, ça marchera pas, tu pourras pas y aller, il faut qu'on aille au terrier d'abord. Le cercle bleu. Oui, je sais. J'ai cliqué dessus avec mes personnages, on est en route. Nous sommes en route. Non, ne te tracasse pas. J'ai voulu tester d'abord et ensuite j'ai lancé la marche à pied pour pouvoir changer de zone, tout simplement. Absolument aucun stress. Les sables de jade, c'est ça? Ouais. Non, l'autre. L'âme-croc. L'âme-croc, pardon. Hop. Pourquoi les lames-crocs? Parce qu'on n'a pas de quête à y rendre, mais ils ont le repos. Ah oui, certes. Et on a un level up, donc... Allons-y. Ça va. Après toutes ces émotions, 9h. C'est pas 22, ouais. C'est juste pas une nuit. 22h. Une petite nuit, petite nuit. Level up. Level 10. Alors. La voilà. Aura de courage. Sélectionner jusqu'à 6 sorts, j'ai ce qu'il me faut. J'ai ce qu'il me faut avec elle. Bien. Alors, deux nouveaux sorts et un sort mineur. Oui, je peux prendre un cantrip. Attribut de classe déverrouillé. Intervention divine. Vous essayez de faire appel à votre divinité afin qu'elle vous vienne en aide. Ah, chance de réussite dépend de votre niveau de clerc. Chaque niveau dépend, équivaut à 1% de chance de réussite. Très bien. Donc là, j'ai 10% de chance de faire intervenir mon dieu. Oh, oh. Ah, je peux apprendre un nouveau sort mineur. Qu'est-ce qu'on a? Brillance, résistance, étincelle. Étincelle, c'est toujours sympa. Et on se fait un adversaire. C'est au toucher ou pas ça? Portée 10. Ici, portée 24. Ici, c'est au toucher. C'est quoi? On va prendre ça. Un petit truc en plus. C'est au corps à corps. Et préparation des sorts, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Je ne pense pas. On a... Ouais, on a toujours notre colonne de flammes là. Ça, ça doit envoyer du pâté. Faudra qu'on puisse la tester sur une truc à un moment donné. Rayon de givre. Affiche de dégâts ralentis. Lumière dansante. Ça, on s'en fout. Vaporiser du poison. Viser juste. J'ai un nouveau cantrip en fait. Donc là, ça. Tu sais, les sorts gratuits. Oui. Donc là, c'est une essentialité. Alors j'ai visé juste. Oui. Lanceur du sort, un avantage lors sa première attaque contre la cible. Bof. Vaporiser du poison, semi-bof, vu qu'il y a un jet de sauvegarde de constitution, donc bof. Rayon de givre, c'est littéralement un laser, 1d8 de dégâts, vitesse de déplacement, moins 2. C'est toujours utile. Lumière dansante, invoque un petit personnage, c'est de la lumière qui bouge, donc on s'en bat les couilles. Ouais. Éblouir, au corps à corps, ne peut pas prendre de réaction, donc pas d'attaque de réaction, et a 2 de pénalité de classe d'armure. Oh, bof, mais c'est pas résistable. Moi, je trouve que le trait de givre reste toujours intéressant parce que quand tu es à court de spell, tu vois, et que j'ai que boule de feu, la possibilité, voilà, et avoir la possibilité en fait d'avoir un... D'alterner avec un petit sort, tu vois. Étincelle. Pour moi, allume, ça reste toujours utile. Cible jusqu'à 3 objets pouvant être illuminés et les allume instantanément. Donc, ça, c'est sympa. J'ai pris étincelle sur ma claire parce que j'avais pas d'autres sorts qui étaient intéressants. Donc je l'ai sur la claire, donc je sais pas si c'est nécessaire. Brillance, mais en surbrillance, un adversaire visible pendant un moment. Donc le jet de sauvegarde pour allumer, cadre D de jet de sauvegarde pour allumer cet effet. Mais il y a un jet de sauvegarde de sagesse, donc c'est de la merde. Armure de l'ombre, octroie 3 points de vie temporaires pendant 1 minute. Oh. C'est de la merde. Et c'est que pour moi, hein, donc useless. Tu sais, j'ai 90 PV, tu vois. Dague de l'ombre, 1d8 de dégâts psychiques, mais il y a un jet de sauvegarde de sagesse pour annuler l'effet, donc c'est de la merde. Même si c'est une bonne distance. Contact glacial, nécromancie, sort mineur, coup à distance 24, 1d8 de dégâts et inflige glacé, ne peut pas gagner de points de vie. Si mort-vivant, désavantage des attaques sur le lanceur. Attends, désavantage des attaques sur le lanceur. Ah d'accord. Donc d'accord, je peux faire un sort qui empêche les trucs de se régénérer, qui fait 1d8 de dégâts et qui a, plus de portée que rayon de givre. 24. Putain, c'est ouf. Alors que trait de feu, c'est 24. Ouais, d'accord. Rayon de givre, c'est 2 fois plus court, mais c'est pas grave. Et enfin, abeille agaçante, c'est pas résistable. C'est 1d4 de dégâts. Et en fait, la cible voit une abeille illusoire la harceler et obtient un désavantage en jet de concentration jusqu'au début de son prochain tour. Donc ça l'empêche de se concentrer et de balancer des vrais spells. C'est le fameux moustique qui vous empêche de dormir la nuit comme ça. C'est ça. L'armure est pas si mauvaise. T'es sérieux, 3 points de vie, frère.